c'est d'abord une écriture qui va jusqu'à l'épuisement de la langue, un art poétique incisive qui se profile dans les entretiens avec le professeur Y, que vous pourrez entendre d'ici 1h25, lu par André Marcon et François Berléand. Céline, c'est aussi le voyeur, le visionnaire aveugle qui a senti toutes les contradictions de notre siècle. Il en a été à la fois l'accoucheur, le dénonciateur, la victime et le complice suicidaire. Revenir à la nuit, celle du voyage, traumatisme de la Première Guerre dont on ne sort pas vivant. Lire sa thèse de médecine, la vie et l'œuvre de Semmelweis, qui contient toute la vie et l'œuvre de Céline même, la déjection et la grâce. Entendre l'Église, son premier texte littéraire, brouillon du voyage au bout de la nuit à venir. Une pièce de théâtre jouée un seul soir, en 1936, au Célestin, à Lyon, montée aujourd'hui par Jean-Louis Martinelli. Tout cela, c'est ce que nous proposent Pascal Charpentier et Jean-Claude Loiseau dans leur cheminement. Bon, alors vous voulez me faire lire? Un petit peu, oui. Avec la petite sirène au début, là, dans les... quand il insulte, là. L'autre jour, je déambulais comme ça, tout pensif, le long du halage, entre la Jatte et Courbevoie. Je songeais à des petites choses, j'avais des ennuis. J'allais pas me noyer, bien sûr, mais quand même, j'étais tracassé. Je ne trouvais pas la solution. Je regarde un peu les alentours. Je vois une péniche en pleine vase, renversée, dessus-dessous, gisante. Ça fait comme une sorte... escatade. Et puis un petit treuil pendentif qui remue tout seul. Je regarde encore un peu plus loin, j'aperçois là-bas une sirène qui barbotait entre deux eaux boueuses, alors très infectes, une fange pleine de bulles. J'en ai dégainé pour elle. Je fis semblant de ne pas la voir, je m'éloignais délicatement. Ferdinand Céline ou Rigaudon pour une autre fois. Je suis né à Courbevoie-Seine, Rampe du Pont, le 27 mai 1894. Alphonse Boudard lit L'école des cadavres. Yop, hey, dis donc, yop, Ferdinand. Tu dis plus bonjour, folichon, grand tordu, crâneur malpoli. Où c'est que tu te précipites? Je la connaissais comme sirène, cette effrontée. Je l'avais déjà rencontrée assez souvent dans des circonstances délicates, en des estuaires bien différents, en d'autres moments de la vie. De Copenhague à Saint-Laurent, là-bas, tout est perdu, tout est freiné de mousse, de joie, de jeunesse vertigineuse dans les embruns. Cette déchéance me bouleversait, bien sûr, comme ça, dans la Seine si pisseuse, si égouttière. Où courez-vous ainsi, songeur, belle bite, qu'elle m'interpelle? Je la connaissais intrigante, elle était devenue bien grossière dans les parages. Je la regarde alors de tout près, quel pauvre visage. Voilà. Ben là, on a des clés déjà dans cette truc. Vous voyez, on dit qu'il est grossier, il ne l'est pas tellement, il y a juste belle bite, puis le reste, c'est pas tellement... C'est un ensemble, quoi, ça se tient tout de suite. Vous voyez, j'avais oublié cette page, elle est bien foutue. Hein. Ça démarre très bien. Quand Katinka sera bossue. Céline chante Céline. Nous irons voir aux citadelles. À force de prêter son cul, la cloche trois fois gros comme elle. You profondis, yo tédéum. À la grand-vergue, le petit homme. Chacun goéland. Dans sa monture, à le coulant, brave figure, c'est le qu'on branle chaque matin pour faire lever tous les putains. Grosse bataille, petit butin, depuis l'Irlande aux Dardanelles.
Il est sous le mec, alors ça n'a aucune importance. Oui, oui. Il l'a fait comme il peut. Voilà l'histoire. Bon, et maintenant c'est fini, vous embêtez un peu. Jacques-Henrique. Céline, bon, il a l'impression toujours qu'il est cocu, mais en même temps, c'est, vous savez, cette, ça aussi, ça fait partie de, d'une stratégie, hein, la jalousie. Bon, ça, c'est tout, faudrait étudier toute l'attitude de Céline par rapport aux femmes, à la fois danseuse et puis en même temps putain, ignoble violeuse, etc. Il y a ce continuel va-et-vient. Il monte la femme sur un pavois, c'est la danseuse admirable, la dame blanche, enfin bon, l'intouchable, l'innocente, etc. Puis à peine l'a-t-il monté sur ce pavois que flac, il lui envoie un paquet de merde sur la figure, il la fait dégringoler, ça devient une ignoble bonne femme. Il y a des pages dans Mort à crédit qui sont extraordinaires. C'est-à-dire Céline se trouve toujours en état d'être violée par ces ignobles bonnes femmes. Et il a toujours le sentiment d'être cocu, il a toujours le sentiment d'être pénétré, d'être qu'on le viole, que, d'où cette obsession comme ça, de la sodomie, ça revient tout le temps, on va se faire enculer par les juifs, par les nègres, par les jaunes, etc. Bon, il y a ça, bien sûr. Mais en même temps, c'est une méthode aussi chez lui, je pense, aussi d'écriture. C'est une position subjective qui permet d'écrire. C'était celle de Proust aussi, d'une certaine façon. Et récemment, je relisais Colette. Ça paraît très loin de Céline, mais c'est très intéressant aussi, Colette. Et il y a un passage de Colette sur la jalousie qui est très beau et qui dit que pour elle, c'est pas du tout un enfer, mais c'est justement, elle emploie le terme, je crois, gymnique. Elle dit c'est une sorte de gymnastique. C'est un peu comme les insultes. On fait les pompes avec, en insultant, en se mettant en colère, et on fait des pompes aussi en se mettant dans la position de quelqu'un qui souffre par la femme. Bon, il y a ça chez Céline. Sa manière d'amplifier l'espace. Il souffre de l'espace. Il souffre de l'espace et dans le fond, toute sa vie, il aura à souffrir de l'espace. Il en souffre très jeune. C'est cette fameuse cloche à gaz là, du passage où il habitait, qui est absolument insupportable. Il souffre parce qu'on lui donne des godasses qui sont trop petites. Il a tout le temps mal aux pieds. L'appartement est trop petit. C'est quelqu'un qui a besoin de... N'oubliez pas que son premier livre s'appelle Voyage. C'est quelqu'un qui a besoin de passer les frontières, d'ouvrir les espaces géographiques, familiaux. Il supporte pas la famille, enfin ces pages sur la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne supporte pas l'espace éditorial, le fait d'avoir un éditeur, d'être obligé comme ça, même le livre probablement déjà le gêne, le livre, l'objet lui-même, il y a quelque chose probablement qui fait que cette voix si importante se trouve dans le livre un petit peu étouffée. Bon, il y a aussi l'espace du corps qui est insupportable pour lui. Toutes les morts sont terribles. Il y a des descriptions de têtes qui sont transformées en pâtés de sang. Il y a des pages comme ça de descriptions avec des métaphores extraordinaires. Bon, c'est-à-dire qu'il a constamment des problèmes d'espace. Sa thèse de médecine est intéressante pour ça. Pourquoi ne pas s'arrêter là un instant ? Entre les flaques de la dernière pluie, le chanteur, vêtu de hardes bariolées, s'arrête, se gratte sans retenue. Regarde le monde passer à travers sa misère. Il a une mauvaise petite idée d'envie pour tous ces gens qui se pressent vers leur déjeuner, lui qui n'a pas encore le sien, ni dans son ventre, ni dans sa poche. D'un sac pisseux, il sort une guitare au corps de lasse. La chose gémit sous ses doigts sales. Il regarde en haut le vent. De sa voix rance, il émet quelques notes qui se cherchent. On attend d'autres aussi avec nous et un cercle se forme. Qui s'agrandit en rongeant le trottoir, en éloignant les voitures qui passent sur la chaussée. C'est un cercle enchanté. Ça y est, allons-y. Le vilain gratte-note veut sortir de la vie. Avec quoi ? Avec ça. On verra bien. Suivons-le. Un bout de chemin dans le rêve. Bertrand Chauvet. Là, vraiment, on retrouve tous les thèmes, quoi. Hein ? C'est dans quel texte ? Alors, c'est dans La vie et l'œuvre de Semmelweis, c'est dans la thèse de médecine. Et son problème, c'est d'inscrire son petit Semmelweis dans un espace. C'est déjà une espèce de voyage, un voyage dans l'histoire, mais c'est déjà une espèce de voyage au bout de quoi ? De quoi ? Il mène où, ce voyage ? Eh bien, il mène dans le rêve, à cet endroit où les choses chantent. C'est l'endroit où un cercle est possible, c'est l'endroit du cercle. Et cet espace, il est localisé dans la Hongrie de Semmelweis. Alors, dans tous les débuts de cette thèse, donc, il y a ce grand mouvement épique. On suit les armées de Napoléon
Et les armées de Napoléon sont comme une tornade, comme ça, qui torchonne l'Europe. Et au centre de cette Europe, il y a la Hongrie qui est ce petit point, ce petit endroit où les choses chantent. Ce qui me paraît déjà très célinien, c'est que ce petit endroit où les choses chantent, c'est aussi l'endroit le plus sale. Et dans le texte là que j'ai lu, on sent ça. On sent qu'il n'est d'enchantement qu'au cœur du sale. Hein ? Il y a ce double mouvement à la fois de la déjection et de la grâce. Et Semmelweis, il est exactement dans ce point-là, puisqu'il est celui qui accouche les femmes. Donc il est au plus près de la vigueur d'un peuple, il est au plus près de la vie qui vient au monde. Et en même temps, il est celui qui touche les microbes, c'est-à-dire qu'il va découvrir l'énigme de la fièvre puerpérale. Cette fièvre cadavéreuse qui vient s'emparer des parturientes au moment même où elle donne la vie. Et donc, Semmelweis, il incarne les extrêmes. Il est ce médiateur qui met les extrêmes en contact, à la fois la vie et le cadavre et la mort. Puis un autre truc aussi, je pense, c'est que Semmelweis, il est lui-même, il a un destin qui est un destin tragique. Et il est lui-même dans cet écartèlement de la déjection et de la grâce, puisque son message de vérité, de grâce, n'est pas entendu. Et pour finir, il va être saisi par une espèce de rage impuissante, qui va d'ailleurs lui faire parler un petit peu comme Céline, comme le Céline d'un château l'autre, par exemple, ou des beaux draps. Et à la fin, Semmelweis donc se donne la mort par là même où il a fait son entrée dans la vie, enfin dans ce domaine de la grâce. Pris de folie, il va se lancer dans une salle de dissection et sciemment il va s'ouvrir le doigt en tripotant de la matière. Semmelweis, il nous dit qu'on est vraiment dans la merde. Mais que il faut accepter d'être dans cette merde-là pour déboucher au bout de ça, où serait l'endroit où ça chante. Madame Arthur est une femme qui fait parler de longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Il fallait la voir à la danse avec son charme sans égal. Par ses mouvements, sa cadence, elle était la reine du bal. Le cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi, qu'en levant sa jupe avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler de longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Pierre Duverger. J'allais souvent le voir au studio Vacquer. Les studios Vacquer étaient près de la place Clichy, rue de Douai, et Lucette travaillait là. Et j'ai passé, je peux dire, des heures à regarder les danseuses. Mais je ne suis pas sensible aux danseuses. Je ne suis pas sensible. Ce n'est pas ça qui me touche le plus. Bon, c'est joli, c'est charmant. Lui, il était très fixé sur les ballets et la danse. Une question d'esthétique. Lucette, d'ailleurs, était une danseuse. Elle avait un corps extraordinaire, musclé. C'était ce qu'on appelle la belle môme. Et j'allais donc là. Et puis on s'arrêtait des fois à Place Clichy, au coin, devant l'ancien Gaumont, où il prenait un thé, un café ou un ersatz quelconque. Mais il parlait souvent des danseuses, et moi, je n'écoutais pas tellement. Qu'est-ce qu'il vous disait, des danseuses? Ah, bah, c'était la grâce, l'élégance, le rêve, en somme. C'était un grand rêveur, lui. Son mysticisme, son lyrisme était... C'est un lyrique. Quand il décrit, par exemple, le bombardement de Montmartre, c'est pas vrai. Faut traduire, évidemment, hein. Il était là, moi aussi d'ailleurs, il était là. Il tombait dans la cour, là, un paveton qui venait du Sacré-Cœur. Je suis devant ma fenêtre là-bas. Mais enfin, c'est pas l'envolée des trucs, mais enfin, il faut traduire, Céline. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, en réalité, comprennent pas leur lecture.
Ils lisent les mots, ils n'imaginent pas ce que ces mots peuvent suggérer. C'est mon sentiment. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas lire Céline. La vie de Semmelweis contient la vie de Céline, avec cette espèce de provocation à la fin, de rage, de folie, d'incompréhension. Puis cette façon d'aller jusqu'au bout de l'incompréhension. Je le dirai quand même, je dirai exprès tout ce que vous ne voulez pas entendre. Avec ce bonhomme-là qui affiche sur les murs ses proclamations, ces mots qu'il prononce et qui rejoignent sa propre démarche saccadée. Et cette fois, les mots n'atteignent plus leur objet. Et ça, c'est le grand, grand malheur. Si les mots n'atteignaient plus l'objet, sachant que précisément le problème, c'est de faire que les choses soient là au premier plan, que les choses affleurent dans la phrase. C'est le grand malheur. Et moi, je suis pas loin de penser que dans les derniers textes, même déjà peut-être dans Guignol's Band, il y a cette espèce de désespoir d'un homme qui parle, qui hurle, mais dont les mots n'atteignent plus leur objet. Et pourtant, les phrases ne sont plus que des mots. Puisque le progrès de la phrase célinienne, c'est de partir d'une phrase constituée, de se déchirer, c'est ce déchirement auquel on assiste dans le voyage, et puis ensuite de n'être plus que balle. Éclatement, éclat, que parole en éclat, que mot sans verbe, que nom sans verbe, le verbe étant ce qui relie, ce qui empâte. Mais là, c'est bizarre, j'ai beau gueuler les mots, j'ai beau gueuler que des noms, les noms n'atteignent plus leur objet, il n'y a plus de choses, ça chante plus. Semmelweis est sorti, on ne sait pas pourquoi, du cercle enchanté, il a cessé d'être le barde. Le barde, c'est, comment on pourrait dire, je sais pas, c'est un barde et puis qui est le contraire, je sais pas, un barde amu, qui a mué. Le barde a mu ou a mué, et donc il est plus rien. Barde a mu, ce nom, ça vient de quoi? Alors, d'après ma mère, ça viendrait de barde d'amour. Ça serait donc de l'ordre d'un surnom qu'il aurait eu, enfin, qu'il aurait reçu au moment où il vivait à Rennes. On appelait Céline Bardamu. Barde d'amour, on l'appelait comme ça. Lequel aurait été, oui, avalé en Bardamu. Ouais. Jean-Marie Turpin, petit-fils de Céline. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui, même, que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos... Les gens de Paris ont l'air toujours très occupés. Mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça? Grand changement, qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé, en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Donc Bardamu, à ce moment-là, il est dans l'amiral Bracton, dans le vieux Rafio qui l'emmène en Afrique. Et il est poursuivi par la haine des militaires. C'est une autre nuit. Alors il s'est enfermé dans sa cabine et puis bon, il sort. Et puis là, ils veulent vraiment le passer par-dessus bord. Et donc, avisant l'officier, il se précipite sur lui, il lui serre les mains. Et il commence à se lancer dans une grande envolée patriotique sur l'amour de la France, la victoire, l'amour de l'armée. Et donc se reniant complètement. Et il dit, j'ai senti dès cet instant l'amour-propre me quitter. Depuis cet incident, je suis devenu pour toujours infiniment libre et léger. Donc sans amour-propre, sans rien qui tienne à autre chose que au vouloir vivre. S'il n'y avait pas les agonies et les accouchements, tu vois mon vieux, ça irait tout seul la médecine. Et encore, hein, les agonies, il n'y a pas d'imprévu. Eh bien, cependant, mon petit, vous répétez ces vieilles histoires-là. Mais je n'ai pas besoin d'être aimé, mon petit, là, à la fin, ni adoré, moi.
Je m'en fous d'être adoré. À quoi que ça sert-il d'être adoré? Voulez-vous me le dire? Est-ce que ça m'empêchera d'avoir un cancer du rectum si je dois en avoir un? Aimer de ne pas être aimé et de n'aimer personne, c'est encore plus triste que tout. Non, mon petit, non, ça n'est pas vrai non plus. Ce qui est plus triste que tout, écoutez-moi, c'est de mourir. Il n'y a même que ça de triste dans la vie. Et puis d'ailleurs, s'il n'y avait pas ça, mais on n'aimerait pas, comme vous dites. L'amour, c'est de la peur de mourir. Pourtant, vous les aimez, ces femmes qui viennent... L'église, théâtre de Lyon, mise en scène, Jean-Louis Martinelli. Vous n'aimez pas ces femmes-là. Et alors, c'est pas une religion, mon petit Janine, la vie. Vous devriez le savoir. C'est un bagne. Faut pas chercher à habiller les murs de l'église, il y a des chaînes partout. Mais voyons, elles vous aiment-elles? Non, elles ne m'aiment pas, mon petit, non. Elles font ce qu'elles doivent faire, pleinement, elles sont belles. C'est aussi bête que de vivre pour aimer, mais ça me plaît mieux. Ça ne cache rien, ça ne promet pas l'éternité, ça n'est pas mou comme un serment. La beauté, on sait que ça meurt, et bien comme ça, on sait que ça existe. Et puis d'abord, on ne devrait pas écouter les femmes qui ne sont pas belles. Elles ne peuvent dire que des bêtises. Remettre Bardamu en jeu... tout au long du spectacle, me paraissait une nécessité. Au départ, je pensais qu'on pouvait aller plus loin encore dans la narration. Mais en fait, c'est plus un voyageur qu'un narrateur. C'est-à-dire qu'on nécessitait de le faire sortir, de le faire rentrer dans des espaces à chaque fois différents, mais de l'avoir chaque fois en scène. Et l'église, quel est le sens de ce titre? De quelle église s'agit-il? Il s'agit de la Société des Nations, puisque Céline disait que pour lui, c'était la Société des Nations avait tous les aspects d'une église, à savoir avec une hiérarchie, avec un code, avec des règles, avec des grands prêtres. Bon, et que, donc voilà, c'est pour ça qu'il a donné ce titre-là à la pièce. Alors dans le texte, elle apparaît comment, la SDN? La SDN, c'est l'acte... Je dirais le plus à part. Important. Je crois pas. Le centre. Oui, parce que effectivement, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'acte 3, donc c'est au centre. Mais le clou. Non, pas le clou, les chardes. Bon, cet acte, c'est assez vite vu. Il met en jeu l'espèce d'opérette que sont les organisations internationales inefficaces, blablateuses, où effectivement ceux qui viennent n'y viennent que pour toucher leur défraiement et si possible en France-Suisse, donc puisque la Société des Nations est installée à Genève. Et bon, il nous en fait un tableau comme ça, mais assez lourd quand même à la lecture au bout d'un moment. Donc on a essayé d'en trouver une transposition scénique plus rapide, plus incisive. Alors peut-être que les gens qui n'ont pas une idée précise de la pièce de la Société des Nations pédalent un peu derrière, mais qui est de restituer une Société des Nations de musical, quoi, en fait. Et là aussi, de ne pas laisser disparaître le personnage de Bardamu, c'est-à-dire que dans la version de l'Église, dans l'édition de Céline, Bardamu disparaît, et ce sont une multitude de personnages qui apparaissent, alors que là... Bardamu est témoin. C'est Bardamu qui prend en charge le récit de ces gens-là et qui les met en scène comme des personnages de musical. Et effectivement, dans l'acte 3, il y a également la scène où on retrouve Judenzweck, Mosaïque et Moïse, qui sont les juifs de la SDN, et la fameuse scène entre Judenzweck et Bardamu, où Judenzweck exclut effectivement Bardamu de la SDN. Mais il exclut en tant que haut fonctionnaire qui exclut un fonctionnaire qui n'est pas adapté. Enfin, c'est très clair, intelligent, artiste, mais bon, manque du sens de la hiérarchie, manque de rigueur, n'a pas l'esprit administratif. Bon, ben voilà, Judenzweck se comporte en grand commis d'une organisation internationale. Sa mère était dentelière. Alors, sa mère était dentelière et le père travaillait dans les assurances, c'est ça, hein? Alors, donc, c'était de minuscules bourgeois, mais c'était tout de même des bourgeois. Et ils étaient dans le passage des panoramas. Alors, ces gens sont des gens qui avaient l'âge adulte à l'époque de l'affaire Dreyfus, et ce sont des gens qui, eux, sont antisémites parce que petits commerçants. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre antisémitisme, celui-là plus prolétarien, qui vient de la guerre de 70. Dans Alphonse les quartiers Boudard. De Belleville-Ménilmontant, les artisans qui avaient fait la commune avaient été mis en tôle ou déportés en Nouvelle-Calédonie, et bien souvent leurs échoppes, leurs boutiques, leurs coins avaient été repris par des juifs. D'où un sentiment d'antisémitisme qui était populaire. Si vous voulez, dans la démarche célinienne autour de l'antisémitisme, et d'ailleurs il le dit souvent quand il se différencie de Maurras, il y a un antisémitisme distingué, puis il y a le
ancien qui vient encore plus du peuple que celui d'Édouard Drumont. Du populisme. Du populisme, d'une certaine façon. Alors, ça, dans un premier temps, on ne le remarque pas à travers le voyage au bout de la nuit. Mais si on est attentif, il y a l'église qui précède le voyage au bout de la nuit et qui est déjà marquée par ça. L'église, mise en scène, Jean-Louis Martinelli. Et un autre intérêt de l'église, je dirais, par rapport aux observateurs de l'œuvre de Céline, il est fréquemment dit, oui, on aurait les deux premiers romans qui sont Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, où on aurait le bon Céline, et effectivement, où il déraillerait en 35-36. Bon, c'est complètement ridicule. Tout le contenu est là dans l'église. Enfin, bon, on voit bien, quand il représente les juifs, et ce qu'il dit, bon, ce qui sous-tend l'acte 3, qui me semble tout à fait une idée ridicule, et j'espère que bon, la façon dont ces deux petits vieux sont mis en scène à la SDN, j'espère arrive à montrer combien est ridicule l'idée du complot, et l'idée du complot des protocoles des sages de Sion, enfin bon. Mais n'empêche que c'est contenu. Alors c'est très troublant dans l'église, parce que, par exemple, il parle des termites, il dit ces termites, un jour ces petits insectes seront les maîtres du monde, et peut-être un jour domineront-ils l'Europe. Mais là, il y a un affolement du sens, puisque Céline met ses mots dans la bouche de Judenzweck. Il suffit qu'effectivement on entende dans l'acte 2, et ça je l'ai mesuré tous les soirs, on entende dans l'acte 2 le mot juif, pour que tout à coup on ait 3 minutes de silence total dans la salle. C'est le malaise. Ah oui, c'est tout à coup, parce que ça renvoie au pamphlet que les gens ne connaissent pas d'ailleurs. Mais on a affaire avec ça dans cet acte 3. C'est-à-dire que si effectivement je propose un traitement caricatural, on y a pensé, on a essayé, on a dit, bon allez, on va mettre des juifs, on va nous aussi procéder à la même enflure que lui pour en allant plus loin, en montrer combien c'est stupide, leur mettant des gros nez, des tenues folkloriques et tout ça. Bon. Aller jusqu'au bout. Oui, aller jusqu'au bout d'un traitement cynique. Mais ça se retourne. Ça se retourne complètement contre nous quand on essaye ce type de traitement. Parce que, effectivement, celui qui a la conscience de ce qui s'est passé, qui a un regard dessus, peut être à même. Mais il ne faut pas dire. C'est chaque fois mal interprété. C'est-à-dire que c'est le spectacle qui devient. C'est le travail de mise en scène qui, lui, se fait le relais d'un antisémitisme. Et ça, je n'en veux à aucun prix. Donc, la seule position possible, à un moment donné, c'est de donner à entendre cette parole pour ce qu'elle est. Et je dirais sans commentaire. C'est-à-dire que j'ai essayé aussi le commentaire inverse, c'est-à-dire de mettre en jeu des images qui auraient joué d'un contrepoint, enfin, avec ce qui s'est passé par la suite. Et là aussi, ça se retournait contre nous, puisque effectivement, on arrivait quasiment à blanchir Céline. Flora, bonjour. Non, she's not there. Flora, bonjour. Non, let him come up. Madame, je suis le docteur Bardamu, j'arrive d'Afrique avec une petite communication pour Madame Liège.
Je suis passé ce matin à la fondation Varel. Ce que j'ai à lui dire est assez important. Alors ils m'ont conseillé de venir la trouver, ici. Je vous parle en français parce que je vous ai entendu tout à l'heure. Eh bien, attendez là, elle va remonter, vous êtes chez elle. Avez-vous fait bon voyage, monsieur Bardemieu? Mais oui, merci. Un peu chaud. Vous n'avez pas attrapé de maladie? Non, merci. Oh, ça doit être plus amusant ici qu'en Afrique. C'est toujours plus amusant ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, c'est vrai, c'est pas les nègres qui manquent, ni les blancs non plus. Flora, bonjour. Frédéric Vitou. À l'Atelier des Nations. Bon, d'abord, ça va lui permettre de voyager énormément. Il va connaître l'Amérique grâce à cette destination. Et c'est autre découverte considérable, parce que l'Amérique, c'est le monde moderne, c'est New York, la ville debout, comme il dit. Et donc là, par les missions qu'il va faire en Amérique, par cette destination, il va donc découvrir les usines, donc tout le travail, toute l'aliénation industrielle. Qu'on verra très bien dans Voyage au bout de la nuit, elle vient de cette connaissance-là, du modernisme, si je puis dire, elle vient de ces voyages de la civilisation. Et en même temps, à la civilisation, il verra aussi l'inanité de la grande politique et la dérision de ces manigances. Et là, effectivement, il va avoir le réflexe un peu, disons, petit bourgeois, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire de voir que beaucoup de ces hauts fonctionnaires sont d'origine juive. Alors du coup, il va imaginer effectivement une sorte de conspiration dérisoire juive. Mais je veux dire, ça se sent dans une pièce de théâtre qui s'appelle L'Église, qui est un des premiers textes de Céline qu'il a écrit. Parce qu'au fond, c'était le théâtre qui le passionnait, c'était le spectacle, c'était toujours cette magie, cette fascination du spectacle, de la danse, du musical. Je crois que c'est une sorte de chose très forte chez Céline. Et avant d'être romancier, avant de songer à être romancier, il voulait être un homme de théâtre, un homme de spectacle. Toute sa vie, par exemple, il a rêvé d'écrire des arguments de ballet. Et au fond, l'un des plus grands chagrins de la vie de Céline, c'est de n'avoir jamais pu voir monter sur scène à Paris, à Copenhague, partout, à Londres, à New York, et malgré tous ses essais, des arguments de ballet qu'il écrivait. Il rêvait de féerie, de magie, de paillettes, de strass, de jeunes femmes plus légères que la lumière, que l'air, comme ça, qui flottait. Et lui, c'est un magicien de ça, ce côté féerie qui est très fort chez Céline. Et là, dans cette première pièce qui s'appelle L'Église, et qui est une pièce qui est refusée partout, il y a une sorte de un acte qui se passe à la Cité des Nations, où il y a une sorte de ballet dérisoire où il y a des hauts fonctionnaires d'origine juive qui s'appellent Jubentrop, Judens, je ne sais plus comment ça s'appelle, des noms plus guignols les uns que les autres. Mais ce qui est très curieux, c'est que Céline ne voit pas ça comme une sorte de haine antisémite. Alors que nous, ça nous paraît quand même un peu choquant, cette dérision antisémite de cette pièce. Et avec un sang-froid admirable, il l'envoie à cette pièce sous forme manuscrit. Il l'envoie à Rachman, qui encore une fois pour qui il a beaucoup d'affection, lui disant "Écoutez, voilà, ce manuscrit, ça va bien vous amuser." Et quand il voit que Rachman s'amuse modérément de cette pièce, où il est absolument ridiculisé, lui et tous ses confrères, Céline est totalement étonné. Il se dit "Enfin, pourquoi ça vous amuse pas Moi, je trouve ça plutôt drôle." Et c'est là où on mesure encore une fois cette part de... non pas d'irresponsabilité de Céline, mais c'est curieux décalage en permanent chez Céline entre une certaine réalité de la littérature qui est un jeu, qui est un délire, qui est un divertissement, et la vie. Et l'idée que l'on puisse mêler les deux et se fâcher sur quelque chose qui relève de la littérature ne lui vient pas à l'esprit. C'est très étonnant. Flora, bonjour. Non, c'est là. Flora, bonjour. Non. Il fallait trouver l'enflure à ce texte-là pour le sortir, le décoller de ce qui pourrait apparaître comme ça à la lecture, comme un réalisme plat. Ça finit pour moi avec un Bardamu prêt à écrire Voyage, comme si ce spectacle-là racontait la constitution du Bardamu. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de
forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens. Mais très légèrement, ou très légèrement, parce que tout ça, si vous faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas ? C'est une gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut aller, il faut tourner autour. Autour de quoi ? Autour de l'émotion. Quand, par exemple, en 1932, il envoie son manuscrit à Gallimard, il n'hésite pas. Je veux dire, pour lui, c'est le plus grand des manuscrits que Gallimard a dans sa possession, et qu'il suffit de lire la lettre ou un extrait de la lettre qu'il envoie à Gaston, c'est absolument formidable. Quand il lui décrit donc le voyage à Gaston, il lui dit « En fait, ce voyage au bout de la nuit est un récit romancé dans une forme assez singulière et dont je ne vois pas beaucoup d'exemples dans la littérature en général. Je n'ai pas voulu ainsi, c'est ainsi. Il s'agit d'une manière de symphonie littéraire, émotive, plutôt que d'un véritable roman. » Déjà, toujours l'émotion, ce mot clé chez Céline, il est déjà là, hein, une symphonie émotive. Toujours Céline a opposé les émotions aux idées, hein, on y est là. L'écueil du genre, c'est l'ennui. Je ne crois pas que mon machin soit ennuyeux. Au point de vue émotif, ce récit est assez voisin de ce qu'on obtient ou devrait obtenir avec de la musique. Autre fascination célinienne. Cela se tient sans cesse au coffin des émotions et des mots, des représentations pieuses, sauf au moment d'accent, eux, impitoyablement précis. D'où quantité de diversions, etc., qui entrent peu à peu dans le thème et le font chanter finalement comme en composition musicale. Tout cela demeure fort prétentieux et mieux que ridicule si le travail est raté. À vous d'en juger. Pour moi, c'est réussi. C'est ainsi que je sens les gens et les choses. Tant pis pour eux. Et donc, cette lettre, il la termine par ces mots absolument prodigieux à Gaston Gallimard. Tout cela est parfaitement amené. Je ne voudrais pour rien au monde que ce sujet me soit soufflé. C'est du pain pour un siècle entier de littérature. Et moi, je pense que c'est pour plus qu'un siècle. C'est le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil, ce moment capital de la nature humaine, avec les meilleurs sentiments, Louis Destouches. Un seul obus. C'est vite arrangé les affaires tout de même. Avec un seul obus, que je me disais. Ah, dis donc. Que je me répétais tout le temps, dis donc. Il n'y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il devait y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire prisonnier. Ça et là, des morceaux de fumée quand s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi, on repasserait peut-être Place Clichy en triomphe. Un ou deux seulement qui survivraient. Dans mon désir, des gars gentils et bien balancés derrière le général, tous les autres seraient morts, comme le colon, comme Barousse, comme Vanaï, une autre vache. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe, on entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on payerait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note. Et ça suffirait. Ça vaudrait la peine de vivre. Jean-Pierre Richard. Céline dit quelque part que... Il y a des salauds qui ne vont pas au bout de la nuit. Le terme salaud est inventé par Céline pour dire exactement ce que Sartre lui fera dire plus tard, c'est-à-dire quelqu'un d'inauthentique, quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout de son expérience. Et ici, évidemment, il faut aller au bout de la nuit, selon la chanson des gardes suisses, n'est-ce pas, qui est citée au début du voyage. Son voyage chez les soviets, sa petite expérience. Ben, son voyage chez les soviets, il est raconté dans c'est ce qui va être la rupture, mea culpa. Mea culpa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû lui faire risette à l'époque. Il avait été traduit par Elsa Triolet en Russie. La gauche, elle avait flairé quand même un grand écrivain et il pouvait très bien se rallier. Et il est parti en Russie. Alors, il est évident qu'avec 60 ans
d'avance. Il a fait un tableau, par exemple, les maladies vénériennes à Leningrad dans Bagatelle. C'est un tableau extraordinaire. Et alors là, on s'aperçoit qu'il est dans le vrai, parce qu'on a le texte d'autres qui sont simplement des gens qui vont voir la Russie. Ou par exemple, toute la prudence de Gide quand il parle de l'URSS, parce qu'il n'est pas en ami, il part en communiste, et puis il revient. Il faut quand même qu'il dise la vérité, mais il met beaucoup, beaucoup de précautions. Donc Céline, il met les pieds dans le plat immédiatement. Mais seulement, ce qui est très caractéristique dans Mea Culpa, c'est que la façon de mettre les pieds dans le plat de Céline est très, très différente de celle des autres. Au fond, il fait une critique absolue du communisme. Il ne dit pas comme certains ont pu le dire, on va en Russie et c'est pas réussi et c'est raté, il y a Staline qui, etc., etc. Non, lui, c'est le communisme en soi qui est déjà le mal, chez lui, immédiatement. Pierre Duverger. J'étais avec un copain, il me dit, mais tu sais, ce bonhomme là-bas, c'est Céline. Alors j'étais quand même curieux de le connaître. Je me suis présenté chez lui, spontanément, où il ne m'a pas reçu, mais très gentiment. Je me souviens. C'est après, quand je l'ai rencontré, j'étais du STO, je suis de la classe 40. Je l'avais rencontré dans la halle aux Poissons de Saint-Malo. Et puis, il m'a pris en amitié là-bas. Et puis, je peux pas dire qu'on s'est plus quitté, parce que ce serait, d'abord, c'est faux. Et puis ensuite, quand il est parti en Allemagne, ben, ma foi, je l'ai pas suivi, quoi qu'il me l'ait demandé. Parce que Céline, qui était un bonhomme formidable, mais il n'était pas... à droite de ses mains. Il n'était pas bricoleur du tout. Il était en panne devant des petits trucs, de rien du tout. Et il avait une petite moto, je me souviens, et un jour, il était en panne, c'était deux fois rien, je crois que c'était la chaîne qui avait sauté. Je lui ai arrangé ça, il trouvait ça extraordinaire, qu'on puisse arranger ces trucs. Il m'a fait d'ailleurs un cadeau que j'ai toujours, qui est la pièce à côté. C'était un exemplaire hors commerce de l'école des cadavres, numéroté, donc, dédicacé pour ce bricole qui valait un merci gratuit. C'est un livre qui vaut autour de trois briques maintenant. Curieux. Mais enfin, bref, grâce à lui, il m'a emmené dans un bureau allemand, je ne me rappelle plus du nom maintenant, je l'ai noté quelque part, de l'officier qui commandait la place de Paris, je ne sais plus à quel titre. Il m'a présenté comme un petit copain qui voulait rester en France. Et les Allemands m'ont donné, par son intermédiaire, je me souviens, un petit carton qui était en français d'un côté, en allemand de l'autre, comme quoi je n'étais pas réquisitionnable. Il avait des copains comme ça, allemands, enfin des amis. Non, il avait des admirateurs, madame. Des admirateurs, des lecteurs. Des lecteurs, bien entendu. Alors, on lui a rapproché ça, ce qui est une chose invraisemblable. C'est un peu comme on a rapproché ça aussi à Sacha Guitry. Il avait des admirateurs qui étaient allemands. Je ne vois pas pourquoi. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais là, quand ils étaient en civil, ils étaient venus le voir au Girardon pour l'inviter pour aller à Katyn. Vous savez, à Katyn, il y a eu une commission internationale de médecins qui ont été évidemment sollicités par les Allemands pour venir voir, servir de témoin. On peut voir encore maintenant, les photos avec les Suédois, les Suisses, etc. Mais il ne voulait pas s'engager. C'était un homme qui ne s'engageait pas dans des collectivités. Lui-même, il a payé assez cher. Il s'est engagé, lui, ça, avec ses os, avec ses tripes, mais pas d'engagement dans des associations, des choses comme ça. Lui qui passe pour antisémite, moi, je ne l'ai jamais considéré comme antisémite, mais il le dit lui-même, mais il était raciste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et les pamphlets, alors, comment est-ce que vous les lisez, Jean-Marie Turpin? Moi, je ne les lis pas, personnellement, mais je ne crois pas non plus qu'il y ait grand-chose. Enfin, moi, j'en parle platement, mais je crois qu'il n'y a vraiment rien à y lire, sinon quelque chose de Dieu. C'est par là qu'on peut voir de quoi il s'agit. Mais pour ce qui est du style, de l'idée ou de quoi que ce soit, ou même de la construction, pour moi, c'est strictement nul. Enfin, d'ailleurs, je n'ai même pas réussi à en traiter dans mon livre. Enfin, ça me paraît
en deçà du domaine littéraire. Enfin, j'en pense. Je préférais ne rien en penser, quoi. Pourtant, c'est très travaillé, c'est très écrit. C'est pas c'est du pas tout mon, du. Rien n'est laissé au hasard. Enfin, chez Céline. Ça, il faudrait peut-être voir sur des exemples précis que j'ai pas en tête, mais. Vous voulez que je vous en donne un? Ah oui, oui. Ouais. Alors, par exemple, nous lisons dans L'école des cadavres. Ne pas divaguer si possible. Très bien retenir l'essentiel et puis le vociférer à s'en faire péter toutes les cordes sur tous les tons. Alors, voilà donc l'essentiel qui vient. Racisme d'abord, racisme avant tout. 10 fois, 1000 fois racisme, racisme suprêmement. Désinfection, nettoyage. Une seule race en France, l'arienne. Très normalement adaptée, installée. Le reste, c'est que des farcissures, des impostures, des saloperies. Bon. Là-dessus, bon, sur un paragraphe de ce genre-là, pour le paraphraser rapidement, ne pas divaguer si possible, donc c'est évidemment le contraire de ce qu'il fait. Ensuite, très bien retenir l'essentiel. Et puis le vociférer. Donc l'essentiel, ça va être le racisme. Le vociférer, à s'en faire péter toutes les cordes, sur tous les tons. Donc il le fait en disant racisme d'abord, racisme avant tout. 10 fois, 1000 fois racisme. Pourquoi 10 fois, 1000 fois? Bon. Racisme suprêmement. Bon, ce qui, à mon avis, ne rajoute rien. Désinfection, nettoyage. Bon, ça, on peut dire que c'est tout simplement sinistre. Une seule race en France, l'arienne. Bon, donc à mon avis. Une pure fantaisie cérébrale, très normalement adaptée, installée, donc alors que partout il crache sur la manière dont cette soi-disant race s'adapte et s'installe. Le reste, c'est que des farcissures, des impostures, des saloperies, et le reste, donc, on ne le voit pas. Bon. Donc moi, j'appelle ça un texte purement aux yeux, quoi. C'est pas du Céline. Puisqu'il a écrit, c'est bien du Céline, mais pour ce qui est du contenu, je le trouve soit nul, soit odieux, quoi. À l'épamphlet, moi, c'est ce qui me passionne le plus. Je suis resté longtemps sans les relire. Et puis, il y a 2-3 ans, je me suis remis à les relire. Et j'ai trouvé que c'était une vision d'avenir qui était devenue une vision du présent. Tout simplement. Par exemple, quand vous lisez dans Bagatelle sa visite dans un hôpital en Russie, c'est une page extraordinaire. En plus, c'est très marrant. Avec ce docteur russe qui n'était pas du tout dupe de cette mistoufrie soviétique. C'était incroyable. Le docteur Tuvabianovitch qui faisait hurler « Tout va bien ici, monsieur le docteur, tout va bien, c'est bien fait. » Il l'avait appelé, évidemment, Tuvabianovitch. Le Ferdinand, lui, voyait le « Hein, quel budget avez-vous pour votre hôpital ?» C'était au 10e de l'hôpital le plus miteux français. Il raisonnait pas, il voyait, je vous ai dit d'ailleurs, c'était un voyeur, il calculait, bon, ça marche pas, ça marche pas. Il y a des passages à relire. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est dans Les Beaux Draps, où il dit, deux points, ouvrez les guillemets, « Quand tout ne sera plus que décombre, le nègre surgira. Ce sera son heure, ce sera son tour. Peut-être avec le tartare. Le nègre, le vrai papa du juif, qui a un membre encore bien plus gros, qui est le seul qui s'impose, en fin de compte, tout au bout des décadences. » Ce passage est merveilleux. Il n'y a qu'à voir un peu nos mignonnes, comment qu'elles se tiennent, qu'elles passent déjà du youtre au nègre. Mutine, coquine, avertie d'onde. C'est la forêt qui reprendra tout, la géante, la tropicale, et le bois de Boulogne, et vos petits os, calcinés pour rien, on peut le dire. La première chose vraiment gratuite que vous aurez jamais faite, un cataclysme pour des prunes. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Le pas, un, deux, ancien combattant, Unasukiri. Maque le pas, un, deux, ancien combattant, Unasukiri. Maque le pas, un, deux, ancien combattant, Unasukiri.
marque les pas. Un, deux, ancien combattant. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatras, cadavère. Le peuple, cadavère. Les militaires, cadavère. Les rois, cadavère. Les reines, cadavère. Tous les présidents, cadavère. Les ministres, cadavère. Tous les mondes, cadavère. Et moi-même, cadavère. Mais il n'y a pas de pensée chez Céline. Enfin, il n'y a pas d'idée. Et dès qu'il a une idée, c'est la catastrophe. Il a l'idée de tout le monde. Il s'agit peut-être de mettre les idées de tout le monde en état de catastrophe. Philippe Salers. C'est peut-être aussi ce qui n'est pas perçu. Le motif auquel Céline se résout pendant toute la fin de sa vie, il suffit d'écouter l'enregistrement qu'il a opéré lui-même ou sur le style. Il suffit de lire les entretiens avec le professeur Y, qui est un texte d'art politique capital et de critique de la société dans laquelle nous entrions déjà à l'époque, c'est-à-dire une société de marchandises et d'irresponsabilité illimitée. Pour se rendre compte que lorsqu'il dit « je ne suis pas un homme à idées, mais je suis un homme à style », son projet, loin d'être bête, bestial, élémentaire, est un projet d'une toute autre envergure qui implique précisément une pensée, mais cette pensée a l'air paradoxale, puisqu'elle consiste à mettre la pensée, les systèmes de pensée, la pensée noble, le sermon habituel, les faux semblants de la pensée, en état de véritable catastrophe. C'est une cruauté à l'égard de la pensée. C'est pour cela que, s'agissant des pamphlets de Céline, le malentendu ne va pas être levé de sitôt, s'agissant de Bagatelle pour un massacre, puisque le reproche qu'on peut lui faire est indistinctement le fait d'avoir dit des choses qu'il n'aurait pas fallu dire, c'est-à-dire d'avoir poussé au crime, mais peut-être bien surtout d'avoir dit ce que 80 ou 90% des gens pensaient ou pensent encore d'habitude, et de trahir par là même un secret plus réservé, qui pourrait se dire très tranquillement, mais qui en réalité recouvrirait une violence totale. Donc il y a un aspect en effet cathartique et en même temps très agressif et cruel qui consiste à dire sans cesse à la fin, comme les impressionnistes étaient de grands travailleurs pour ce qui est du travail, je ne suis pas un homme à idées. Les idées, il y en a partout, ça traîne partout, il y en a plein, les encyclopédies, les idées qui ont fait leur temps, d'ailleurs. Alors, les idées, ça fait son temps, mais ça disparaît dans le temps, tandis que le style, lui, date le temps, donne sa spécificité chronologique au temps, si on peut dire. Donc, je dirais qu'il y a bel et bien une pensée de Céline, qui est un style négateur de la pensée, y compris la pensée toute faite dans ses clichés les plus violents ou les plus primitifs, mis en abîme et en catastrophe, ce qui est gênant pour tout le monde, pour la bonne pensée, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, pour la bien-pensance en général. Puis les photos, ça c'est ça qui lui a coûté cher, ce con, d'avoir laissé publier ça sous l'occupation avec les photos. Alors évidemment, les antisémites professionnels lui font des sourires, il n'y va pas, il s'en méfie, il est suffisamment intelligent, dans des lettres qu'il envoie à droite et à gauche. Évidemment, jusqu'en 1942, il magnifie assez, non pas le régime vichysois, mais les Allemands. Là, il faut faire la différence. Vichy, c'est une espèce d'intermédiaire. C'est un endroit où on a interdit Tartuffe. Tandis que l'occupation allemande, c'est un endroit où les Allemands se baignent nus dans les piscines. J'ai vu ça, à Saint-Calais, les petites bourgeoises du coin qui étaient choquées parce que les SS se baignaient tout nus. C'est-à-dire, il y a un côté moralisateur à Vichy que Céline ne peut absolument... Il dit d'ailleurs que Pétain le déteste. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de commun entre Vichy et Céline. Il peut y avoir quelque chose de commun entre Vichy et le nazisme, entre Céline et le nazisme, mais pas entre Céline et Vichy. Mais il faut connaître un peu ces différentes nuances pour pouvoir comprendre. L'antisémitisme est une des solutions les plus radicales et les plus insupportables, n'est-ce pas, de la nausée célinienne. Jean-Pierre Richard. Elle consiste, il me semble, pour Céline, à projeter hors de lui ce qui fait la substance même de sa vérité,
c'est-à-dire ce don de déliquescence, de défection, n'est-ce pas, cette sorte d'anarchie foncière qui est en lui, et l'ayant projeté hors de lui, donc il en est d'une certaine manière débarrassé, à découvrir également hors de lui la cause de ce phénomène, cause sur laquelle il n'a plus rien à voir lui-même, donc il est complètement irresponsable, et alors cette cause, il dit que c'est le juif. Alors c'est un phénomène de projection que je pense assez banal dans son essence même, mais qui devient tout à fait contagieux et dangereux dans la mesure où la fantasmatique propre de Céline, d'une certaine manière, rejoint admirablement la mythologie classique de l'antisémitisme. Alors le juif étant dans cette mythologie un élément mou, ruisselant, mou et agressif, parce qu'il faut bien dire que dans la nausée propre de Céline, il y a aussi cette tonalité d'agressivité, puisque Céline dit que l'homme est une chiffe, mais une chiffe crâneuse. Très belle expression. Alors nous sommes tous des chiffes crâneuses, nous nous débarrassons de cette idée en disant que ce sont les juifs qui se glissent en nous à travers nos contenants, de la même façon que la nausée se glissait hors de nous à travers les mêmes contenants, que nous sommes envahis en somme par ce que nous avons nous-mêmes créé. Et c'est cette invasion qui fait du juif une sorte de super virus maléfique. Il y a aussi l'idée de décomposition qui est très forte ici, parce que la nausée, c'est pas simplement un amollissement des matières, c'est une défection des structures de l'identité. La nausée est un pourrissement. Dans l'idée du pourri, qui est une idée très forte chez Céline, vous avez à la fois l'idée d'un affaissement et d'une dissolution, d'un passage de l'unité à la pluralité. Alors, le juif recueille ce fantasme, mélange d'amollissement et de pourriture. Il est lui-même un être mou, mais c'est lui-même aussi un être pourri, parce que dans la logique de Céline, le juif n'existe pas. Il dit quelque part que le juif est un nègre, un asiate, enfin, il est tout à la fois. Il n'a aucune identité propre. Et c'est à cause de cette puissance de décomposition qu'il a en lui qu'il arrive à s'instiller dans le corps et à le décomposer à son tour. Donc là, nous sommes vraiment dans un cercle classique qui est celui de la paranoïa, n'est-ce pas ? Céline se persécutant lui-même, projette hors de lui son persécuteur, le voit revenir sur lui-même, se sent persécuté, et ainsi de suite. C'est un cercle dont on ne peut pas sortir, et qui est, je crois, quand même assez banal, sauf qu'il y a cette rencontre, que je disais, entre la force d'une fantasmatique personnelle et la généralité d'une mythologie sociale, au fond. Ben oui, mais alors, ces pamphlets, vous comprenez... Jacques-Henrique. Ça devient une histoire folle, ces histoires de pamphlets. Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, un hebdomadaire, je crois qu'il s'appelle Les Lettres Françaises, qui titrait « Permis d'abjection ». Bon, alors, dès qu'on prononce le mot Céline, paf, ça y est, on dit les pamphlets, on dit l'antisémitisme. Alors, on est dans une situation qui est une situation quand même un peu paradoxale. On a à notre disposition des milliers de pages de romans, des pléiades, des poches, où il y a l'œuvre la plus géniale du XXe siècle, à mon avis, avec celle de Proust. Bon, de quoi on parle ? On parle tout le temps, ça revient sur le tapis sans arrêt, on parle des pamphlets que personne ne peut se procurer. Alors, on parle de choses qui n'existent pas, parce qu'on peut dire qu'elles n'existent pas, même si ici et là, on peut trouver dans une... Bon, oui, mais enfin, écoutez, hein, tous les gens qui parlent des pamphlets, moi, je peux vous dire, ils les ont pas lus. Alors, moi, les pamphlets, avant d'écrire mon petit livre, vous voyez, je les ai là, là, c'est le bruit des pamphlets, ça. Ils sont là, je les ai lus. Bon, et je dis que tout ce qu'on écrit sur ces pamphlets, eh bien, c'est faux. Voilà. Alors, il faut quand même de temps en temps un peu mettre les choses au point. Bon, alors, en plus, à chaque fois, réduire l'œuvre de Céline à ses pamphlets, alors qu'on ne peut pas les trouver, ce qui est d'ailleurs pas normal, parce que ça pose aussi un problème, et ce problème va se poser d'ailleurs quand Madame Céline va mourir. Bon, et par contre, alors, les milliers de pages, moi je regardais encore une fois cet hebdo, bon, mais où il était question de Céline ? Abjection, truc, bon, enfin écoutez, l'antisémitisme. Bon. Il y a quand même autre chose à dire aujourd'hui en 92 sur cette œuvre-là, parce qu'on n'est pas prêt d'en avoir fait le tour. Bon, je dis ça parce que ce climat de moralisme aujourd'hui, c'est quelque chose, moi, qui m'est complètement insupportable. C'est-à-dire que maintenant, on ne juge plus les gens que sur des engagements politiques. Mais très bien, Céline, il a payé, il a été condamné. Pas assez, trop, j'en sais rien, moi c'est difficile de juger. Pendant la guerre, quelqu'un peut-être aurait, un résistant aurait fait la peau de Céline, je trouve rien à redire. Il s'est engagé, il est responsable de ce qu'il a écrit, pénalement, très bien. Mais bon, ça y est, c'est fini ça. Dans deux siècles, on parlera même plus de tout ça. Hein. On parlera de l'œuvre de Céline. Et puis voilà, du style, oui, du style, bon, bien sûr. Alors, revenons quand même aux pamphlets, puisque vous les avez à côté de vous. Comment est-ce que vous les lisez ?
Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous avez devant vous, là? Lesquels? Oh, bah, je les ai tous, hein, mais j'ai les beaux draps, j'ai Bagatelle pour l'école des cadavres, qui est pelue. Non. Vous pouvez nous en ouvrir un et prendre une page Bah oui, je peux même vous... Vous nous lisez un petit morceau. Hein. Je peux même vous en lire, si vous voulez. Voilà, Bagatelle pour un massacre, j'ouvre. Bon, voilà, je vais vous lire. Bon. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant. Gutmann, tout. Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne. Gutmann, mon ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu lui-même, tout simplement. Voilà le fond de ma pensée. À partir de la semaine prochaine, Gutmann, après le terme, je ne veux plus travailler que pour les danseuses, tout pour la danse, rien que pour la danse. La vie les saisit, pure, les emporte au moindre élan. Je veux aller me perdre avec elle, toute la vie, frémissante, ondulante, Gutmann. Elle m'appelle, je ne suis plus moi-même, je me rends. Je ne veux pas qu'on me bascule dans l'infini, à la source de tout, de toutes les ondes. La raison du monde est là, pas ailleurs. Périr par la danseuse. Je suis vieux, je vais crever bientôt. Je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser. Tendre nuage, en arabesque, dans le néant, dans les fontaines du mirage. Je veux périr par la plus belle, je veux qu'elle souffle sur mon cœur. Il s'arrêtera de battre, je te promets. Fais en sorte, Gutmann, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien calancher, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit. Par une onde, par une belle onde, la plus dansante, la plus émue. Si c'est pas de la littérature, ça, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai ouvert, je peux vous en ouvrir plein. Alors, je dis pas qu'il y a que ça, mais il y a ça aussi. Donc les gens qui disent, qui réduisent les pamphlets, comme je l'ai entendu plusieurs fois, en disant que c'est pas écrit, il y a des passages qui sont très mauvais, très médiocres, c'est vrai. Bon, dire que c'est pas écrit, je peux vous en lire plein, les beaux draps, les 20 dernières pages des beaux draps sont admirables, il y a des choses sur du Bellay, sur Ronsard, sur Montaigne, il y a des choses sur le temps, bon, tout ça est très beau. Ça existe aussi dans ces pamphlets, donc on ne s'en sortira pas avec Céline en disant qu'il y aura un bon romancier, comme certains l'ont dit, génial, etc., et puis un pamphlétaire qui serait très médiocre. C'est plus compliqué que ça, parce que le symptôme raciste et le symptôme antisémite, il est dans les romans. Il se trouve que sur cette question de l'antisémitisme très grave, nous sommes, à juste titre, très sensibilisés par la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, à très juste titre. Mais le style de défense de Céline, sur le style... C'est une stratégie. Me paraît, d'une part, une stratégie, et une stratégie qui va loin. Parce que, à supposer que ce soit faux pour lui, ce qui n'est pas sûr, ce serait vrai pour l'ensemble des dispositions sociales qui sont prises à partir de la Deuxième Guerre mondiale des années 50. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est du style qu'on va se soucier, en ne disant pas que c'est du style. Donc voici le début de Féerie pour une autre fois, avec un portrait de femme assez extraordinaire. Voici Clémence Arlon. Nous avons le même âge à peu près. Quelle drôle de visite, en ce moment, non. Ce n'est pas drôle. Elle est venue, malgré les alertes, les pannes de métro, les rues barrées et de si loin, de Vanves. Clémence vient presque jamais me voir, son mari non plus, Marcel. Elle n'est pas venue seule, son fils l'accompagne, Pierre. Elle est assise là, devant ma table, son fils reste debout, le dos au mur. Il préfère me regarder de biais. C'est une visite embarrassée. Elle aussi me regarde de biais, assise de quart. Ni l'un ni l'autre sont tranquilles. Ils ont des pensées. Ils ont tous des pensées, les gens, les rencontres, les connaissances, ces temps-ci. Ça va bien faire 3 ou 4 mois qu'ils ont des pensées, que je suis plus regardé par personne vraiment en face. L'effet des événements, voilà, les êtres se comportent presque tous en même temps, de la même façon. Les mêmes tics, comme les petits canards autour de leur mère, au Doménil, au bois de Boulogne, tous en même temps, la tête à droite, la tête à gauche, qu'ils soient 10, 12, 15, pareil, tous la tête à droite, à la seconde. Clémence Arlon me regarde de biais, c'est l'époque. Ensuite, il y a un travail sur la voix aussi. Ah oui, bien sûr, il y a un travail, alors après, qui est un travail d'une finesse incroyable. Vous savez que Céline recommençait, 5-6 fois ses manuscrits.
Il avait cette femme-là qui était très dévouée, à qui il donnait les manuscrits. Cette dame tapait les manuscrits, Céline les recorrigeait, elle les retapait, il recorrigeait, il les retapait. Il y a ce fameux fil avec les pinces à linge où il accrochait ses pages. Et c'était un travail vraiment, mais au millimètre. En même temps, comme on sait, ça n'est pas du tout du langage parlé. C'est du langage, au contraire, extrêmement savant, qui tient compte de du langage parlé, mais qui est quand même de l'écriture. Et d'écriture, comme je crois, le XXe siècle, enfin, n'en a jamais produit d'autres. Ma mère m'a saisi à bras-le-corps. C'était le moment de fermer les portes. On commandait en voiture. Elle m'embrassait tellement fort dans une trompe tellement violente que j'en vacillais. La force d'un cheval en tendresse qui lui remontait dans ses corps-là du fond de sa carcasse biscornue. Ça la trempait à l'avance, les séparations. Ça la retournait tout entière, une terrible tornade, comme si son âme lui serait sortie du derrière, des yeux, du ventre, de la poitrine, qu'elle m'en aurait foutu partout, qu'elle en illuminait la gorge. Elle y pouvait rien. C'était pas regardable comme effet. Mon père, au moins, lui, c'était simple. Il était plus qu'un sale baveux. Il n'avait plus rien à la caisse que des fatras, des simulacres, encore des gueulements, toute une quincaille de conneries. Mais elle, c'était pas du même. Elle gardait tout son répondant, elle tenait toute sa musique. Même dans la débine infecte, pour un rien qu'on la caresse, elle se remettait en émoi. C'était comme un truc déglingué, le piano du vrai malheur qui aurait plus que des notes atroces. Même remontée dans le wagon, je craignais encore qu'elle me repoisse. J'allais, je revenais, je faisais semblant de chercher des choses. Je suis grimpée sur la banquette. Je cherchais ma couverture. Je piétinais dessus. J'étais bien content que ça s'ébranle. Je voulais parler du style de Céline. Il faut aller aux images qu'il en a lui-même données, c'est-à-dire... Philippe Sellers. Profilés, vous savez, hein, sous la surface, le métro, qui va vite, qui est sous les apparences, mais qui rafle tout ce qu'il y a en surface, parce que ça va plus vite d'un point à un autre que dans les embouteillages de la surface. Et donc... de la parole confuse, l'idée du transport, de la machinerie de bateau, de métro, revient souvent. Le passager sur le pont, il lit son livre, moi je suis dans les machines, il ne doit pas savoir à quel point tout ça est trafiqué. Voilà, c'est toujours l'idée qu'on est le machiniste du dessous et qu'en surface, ça doit avoir l'air, hein, comme vous écrivez, hein, vous savez, là, je limite là, hein, comme vous écrivez, quel don vous avez pour écrire, mais j'ai aucun nom, de Dieu, je me mets au travail, voilà. Bon, voilà comment il parle sans cesse. Le style, d'autre part, c'est quelque chose qui connaît son mensonge, parce que le mensonge, c'est le mensonge des apparences. Quand on est aux machines, on sait comment ça marche. Les passagers ne sont pas obligés de le croire. C'est un peu, si vous voulez, comme si on est théologien. On sait comment Dieu fonctionne, mais on ne demande pas aux fidèles de se le demander. Il suffit qu'ils y croient. Pourquoi le style provoque, sinon la haine, du moins cette espèce d'aversion. Ça, Flaubert le dit très bien. Il dit, le public n'aime pas ça, le style. Parce que ça lui demande un travail. Deuxièmement, un pouvoir, le pouvoir politique. Il dit l'esthétique, c'est Flaubert, hein, ça pourrait être Céline. Le pouvoir politique a toujours la même esthétique. On peut être en monarchie, en république, en empire, en re-république, etc. L'esthétique officielle est toujours la même. Ça va contre un sentiment courant, que les esthétiques officielles se sont très différentes selon les époques politiques. Et il dit un pouvoir sans, dans le style... Chez nous, dit Flaubert, nous en parlant des écrivains, sans chez nous un autre pouvoir, et un pouvoir ne peut pas supporter un autre pouvoir. Voilà. Et alors après la fuite, la traversée de l'Allemagne, est-ce que c'est un coup de génie de Céline de ah oui, non, mais il récupère tout, parce que là, il y a une histoire de sous autour de cette affaire d'Allemagne. Il avait, au lieu de faire... Alors ça, c'est une idée de Céline. Au lieu de planquer son fric en Suisse, comme tout le monde, il va le planquer au Danemark. Or, le Danemark est occupé par l'Allemagne. Les Allemands ont traversé le Danemark. C'est pas la même occupation. Hein. Le Danemark n'est pas occupé comme la France. Les troupes allemandes en sont passées à travers le Danemark. Et il y a des troupes en stationnement. Mais le Danemark a une espèce de statut particulier dans l'Europe nazie. Donc, lui, il va foutre son pognon, là. Il a de l'argent? Il a de l'argent, parce qu'il y a toujours l'histoire des lingots. Pendant qu'il est à Simaringen, on dit Céline a une musette avec le chat au-dessus puis les lingots en-dessous. Alors il est aussi très lié à son époque, parce que si son époque est celle de l'antisémitisme anti-Dreyfusard, il est aussi l'époque des lingots et des journées qu'on planque dans le jardin. Alors il est comme ça.
Alors, il a planqué son petit magot et il faut le retrouver. D'où l'explication de tout ce périple en Europe, là, à ce moment-là. Et alors, les lingots, l'or, au Danemark hein. Ben, je crois qu'il a tout paumé. Je crois que c'est tout ça. Il avait fait le mauvais calcul. Il a tout perdu. Alors, comme il récupère tout, il récupère tout littérairement. Quand il est à Simaringen, il fait le livre extraordinaire sur la collaboration en fuite à Simaringen. Ça, c'est le livre. Il ne restera plus rien de cette histoire. Quelquefois, je connais les protagonistes par les noms que j'ai lus quand j'étais gamin et tout. Je sais ce que c'est que des PPF, des RNP et tout ça. On va parler de ça bientôt. Il ne restera rien que un château l'autre. Ce qui me frappe, si vous voulez, dans cette expérience allemande, Frédéric c'est qu'au fond, il va voir un spectacle dérisoire. Car Sigmaringen, c'est dérisoire. Cette petite ville absolument au nord du lac de Constance, avec très peu d'habitants, quelques milliers de miliciens, une sorte de grotesque achevée, ces rejetés, ces épaves de la collaboration qui hissent ce drapeau français dans un territoire fictivement français, Céline qui observe ça, son chat qui fiche le camp dans le château où sa femme fait des cours de danse, et il tombe sur Pétain, sur Laval, Laval qui par dérision nomme Céline gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon, il voit un jour Léon de Grel, vous savez, le rexiste belge qui vient faire une conférence pour remonter le moral des troupes de Sigmaringen au moment de la contre-attaque allemande dans les Ardennes, et d'un seul coup il s'imagine à nouveau qu'ils vont se retrouver, tout le monde va se retrouver à Paris 15 jours après et pour une sorte de restauration triomphale, et Céline qui est là sarcastique, absolument désabusée de tout, même il y a une fois où de Grel à cette fameuse conférence insulte Céline en disant il y a des gens qui sont là avec leur chat, qui croient Sarah, qui pensent que tout est fichu, mais non, oh, les cœurs, il faut être fort, le fascisme triomphera, etc. Et Céline, avec ce spectacle misérable, minable, trouve dans ce spectacle minable une sorte de déclic pour écrire des romans qui sont à la mesure de l'apocalypse du siècle et de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'au fond, Céline est un prophète, en ce sens, enfin un prophète, a une dimension prophétique, en ce sens que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit tout et qu'il ne voit rien. Il ne voit rien parce qu'il n'a rien compris à la solution finale, rien compris, hélas. Et en même temps, il a été tellement dans ce qu'il voyait, tout petit, auprès de lui, et sa puissance d'invocation, sa puissance de vocifération fait que d'un seul coup, son œuvre traduit toute cette démesure-là, et tout cet écroulement des valeurs, et toutes les idéologies qui s'écroulent, d'un seul coup, trouvent un écho exceptionnel dans l'œuvre célinienne à partir de ce qu'il voit, et de ce qu'il voit, c'est absolument... Bon, il le dit lui-même dans Mort à crédit, on se croirait, c'est de l'opérette. Et cette opérette devient un grand guignol somptueux qui est à la mesure du siècle. L'Ex-Prince, 14 juin 57, voyage au bout de la haine avec Louis-Ferdinand Céline, Madeleine Chapsal. C'est un entretien qui est paru dans l'Express en 1957. Et je faisais à l'époque des grands entretiens sur plusieurs pages, des entretiens littéraires avec des auteurs qui généralement venaient de sortir un livre. Mais jamais l'Express n'aurait songé à m'envoyer voir Céline. Il faut se remettre dans le climat de l'époque. Nous n'étions pas encore très loin de la fin de la guerre. Il y avait encore eu tous les procès en collaboration. Et surtout, il y avait bientôt la guerre d'Algérie qui allait flamber, et l'Express était un journal avant tout de combat politique. Céline faisait encore partie des gens honnis, à un point qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et c'est Roger Limier qui m'avait dit « Vous devriez aller interviewer Céline pour votre journal. » J'ai dû finir par le proposer en conférence générale ou à François Giroux qui s'occupait plus spécialement des pages littéraires, et on m'a donné le feu vert. Ce qui fait que, il me semble que c'était au printemps, j'ai débarqué chez Céline avec une sténotypiste. J'étais attendue. Il ne m'a pas fait entrer dans sa maison. Je fus très bien reçue, mais tout de suite installée dans le jardin, à l'extérieur. Et j'ai vu un homme, j'ai vu son élégance physique, sa façon de s'asseoir, son décor. Il faisait exprès d'avoir un décor un peu rudimentaire. Il y avait des balais qui traînaient, il y avait les animaux familiers. Il faisait exprès?
à mon avis, parce qu'il savait très bien qu'il attendait l'Express. Et il savait très bien qu'à l'heure actuelle, à l'époque, l'Express était le journal qui comptait. Si c'était comme c'était, c'est qu'il l'avait rangé comme ça et pas autrement, ou laissé comme ça. Il nous a reçus sur la table qui était devant sa maison, avec des chaises en paille, ou en fer forgé. Très simple. Très simple. La souveraineté était ailleurs. Et j'ai à peine eu le temps de poser une première question. Céline est partie dans un monologue absolument éblouissant, comme on le sait. RTF, lecture pour tous par Pierre Dumayet, Céline, septembre 57. À ce propos, puisque vous mettez sur ce point-là, je me suis occupé beaucoup des explorations polaires et j'ai connu des explorateurs de la grande époque qui exploraient encore les zones polaires et particulièrement le Groenland avec des meutes de chiens, avec des attaches de chiens. Et ce qui compte, n'est-ce pas, dans l'attelage, c'est le guide. Le guide est généralement une chienne qui est particulièrement fine et qui sait à 25 ou 30 mètres dire qu'il y a une crevasse. Or, on ne le voit pas sous la neige, n'est-ce pas, la crevasse, ça ne se voit pas. Alors, on nous dira qu'elle est violente parce qu'elle avertit tout le traîneau qu'il va s'embarquer dans la crevasse et qu'il va descendre de 60-70 mètres dans un trou. Et ça va être fini à la mort, n'est-ce pas? Eh bien, ça, évidemment, j'ai peut-être la finesse d'une chienne de traîneau. Pas plus. Mais vous ne niez pas, enfin, je pense que vous ne niez pas la violence qu'il y a dans votre style. Enfin, la violence est au moins chez vous question d'écriture. Enfin. Bah, c'est comme la chienne, elle aboie un certain aboiement, et le maître, j'en ai connu, Michelson en particulier, qui était gouverneur du Groenland, m'expliquait bien souvent cette histoire. Il avait une chienne et les autres chiens auraient été directement dans la crevasse. Mais immédiatement, puis lui avec, tout le traîneau. Mais il avait une chienne qui aboyait violemment, qui faisait attention. 20 mètres sur la neige, il y a un trou. Il y a seul le soleil. Mais ça faut être fine. C'était une bête de finesse, c'était une aristocrate. Et elle avait de la finesse, les autres n'en avaient pas. Elle était raffinée. Elle était raffinée, les autres n'étaient pas. Mmh. Alors, la grosse, ben, je suis raffiné, mettons, je suis raffiné. Mais c'est tout, mais alors on m'accable parce que je suis raffiné. Mon Dieu, qu'on me tue, n'est-ce pas? Si dans un élevage on tue des bêtes raffinées, bien, évidemment, c'est un élevage très spécial, n'est-ce pas? Oui, il était conforme à ce qu'on a vu là dans les télévisions, vous voyez, il était couvert de houppes plantes de toutes sortes, il apparaissait comme une espèce de clochard. Et il avait un écriteau devant la maison tout à fait incroyable. Le docteur des touches demande qui pouvait aller voir un toubib pareil, comme ça, sur cette présentation. Alors, la première fois, il m'a donné l'impression, c'était très drôle parce que j'avais l'impression qu'il était comme drogué. Les yeux un peu vitreux, il avait l'air un peu drogué. Et alors la seconde fois, il a beaucoup parlé, alors la seconde fois, il a monologué. Il attendait, je ne sais pas, qu'elle ait envoyé d'un éditeur, et déjà, il était en train de raconter ce que ce type faisait sur le long du chemin. Alors, il a été en une pissotière, enfin, il lui faisait un parcours Céline assez gratiné. Dans ma naïveté d'adolescent, je pensais que venant le voir, effectivement, il se produirait quelque chose, mais ça ne pouvait pas se produire, et donc c'était le cas, quoi. Et il ne s'est pas produit quelque chose, il n'est pas du tout à ce que ça se produise. Comment vous êtes allé le voir, hein? Une seule fois? Non, plusieurs fois. Plusieurs fois, mais essentiellement une fois. Et cette fois-là, je me représentais que... étant donné ce que j'avais lu de lui, et puis la manière dont on m'avait parlé de lui aussi, de ma famille, je pensais qu'on serait très, très proches, directement très proches. Mais Céline était déjà très soucieux de s'écarter. Enfin de... À distance. Oui. Mais alors comment vous avez fait? Vous avez téléphoné? Vous avez parlé avec Lucette? Ah non, justement, là où je me suis largement trompé, c'est que je pensais que, venant le voir purement et simplement, et sans avoir téléphoné... d'abord,
ça pouvait suffire. Alors ça suffisait largement pas, puisqu'au fond, il craignait probablement plutôt les rencontres affectives qu'il n'est souhaité. Bon. Et dans l'adolescence, on a souvent des représentations comme ça, tout à fait affabulées de la relation entre les êtres humains. Et je me représentais que le simple fait que je vienne le voir, et justement sans téléphoner, comme une chose normale, et comme une idée au fond de... alors qu'on ne s'était jamais vu de se retrouver, pouvait suffire. Donc là, il y a eu un conte de fées que j'ai dû donc rempocher, et ça s'est largement pas produit, quoi. Je lui fais remarquer qu'à Byzance, il s'occupait du sexe des anges, au moment où déjà les Turcs secouaient les remparts, foutaient le feu au bas quartier, comme chez nous maintenant, l'Algérie. Nos grands transitaires vont pas s'en occuper du sexe des anges, ni de péril jaune. Manger qui les intéresse, toujours mieux, et vin assorti, de ces cartes, de ces menus. Ils sont ou sont pas les maîtres du peuple le plus gourmand du monde, et le mieux inhibé, et le mieux imbibé, pardon. Qu'ils viennent, qu'ils osent, les Chinois, ils iront pas plus loin que Cognac. Il finira tout sous heureux, dans les caves, le fameux péril jaune. Encore Cognac est bien loin. Milliard pas milliard, ils auront déjà eu leur compte en passant par où vous savez, Reims, Épernay, de ces profondeurs pétillantes que plus rien n'existe. Et après Céline, d'ailleurs, mourait. C'est-à-dire que, voilà, je vois dans ces flots d'invectives, je vois surtout des gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, qui sont toutes assez vulgaires. Et je dirais qu'ils sont lourds, et leur esprit est lourd, c'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd. J'ai remarqué, j'ai lu tellement de vers, et particulièrement des vers du 17e, des vers soi-disant galants. J'en ai trouvé 3-4 de bons sur des milliers, n'est-ce pas ? Il y a très peu de légèreté chez l'homme, il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce fait qu'il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. mais c'est pas pour demain. Pour le moment, on est lourd. Alors, je veux dire, en effet, si j'avais à mourir, je disais, il était lourd, voilà, c'est tout. Oh, ils étaient méchants, parce qu'ils étaient lourds, n'est-ce pas ? Ils étaient lourds. Ah, ils sont pas du côté d'Ariel. Ils sont de plus en plus calibans. Plus en plus. Voici quand on pense, et son petit déo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête. Au diable ta sainte cardour, fais ma porte, au malfrat t'écrase que le vent t'emporte, feuille morte, souci. Rigaudon, pour une autre fois, une vie, une œuvre, Louis-Ferdinand Céline, par Pascal Charpentier. Réalisation Jean-Claude Loiseau. Avec Alphonse Boudard, Jacques Henrich, Bertrand Chauvet, Pierre Duverger, Jean-Marie Turpin, Jean-Louis Martinelli, Frédéric Vitou, Jean-Pierre Richard, Philippe Solers et Madeleine Chapsin. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant ? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rade sur la pile, j'aurai des crosses avec Mimi. Au trou cimetière des bons enfants. Archive Céline vous parle, lecture pour tous, voyage au bout de la nuit dit par Michel Simon, mort à crédit dit par Arletty. Merci au Théâtre de Lyon et à Léon Azadkanian. Prise de son Jean-Marie Charon, Bernard Manteau et Marie-Claire Villot. Mixage Monique Burguière et Nathalie Fado. Mais voici tant en pense et son petit Léo. Voici Clémentine, le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie ? Au diable ta sainte carte, fais la porte, au malfrat écrase que le vent t'emporte. Tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini. Louis.
Louis Ferdinand Céline dans les Nuits de France Culture suite. Pouvoir extrême de l'acte d'écrire, art poétique, c'est au travers de Entretien avec le professeur Y. C'était dans la série proposée au Centre Georges Pompidou, Des voix et des images, les années 50, une lecture publique enregistrée le 8 octobre 1988, lecture faite par François Berland et André Marcon. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit débat philosophique, monsieur Céline? Vous sentez-vous apte? Un débat, mettons par exemple, sur les mutations du progrès par les transformations du soi? Ah, monsieur le professeur Y, je veux bien vous respecter et tout, mais je vous le déclare, je suis hostile. Je suis qu'un petit inventeur, monsieur, un petit inventeur, et je m'en flatte. Mazette. Petit inventeur, parfaitement, avec d'un petit truc. Juste d'un petit truc. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous faites, vous, professeur Y? Vous avez inventé quelque chose, qu'est-ce que c'est? L'émotion dans le langage écrit. Le langage écrit était à sec. C'est moi qui ai redonné l'émotion au langage écrit. Comme je vous le dis, c'est pas qu'un petit urbain, je vous jure. Le truc, la magie que n'importe quel con à présent peut vous émouvoir en écrit. Retrouver l'émotion du parler à travers l'écrit. C'est pas rien. C'est infime. Mais c'est quelque chose. Vous êtes grotesque de prétention? Ben certes, certes, alors. Les inventeurs sont monstrueux, tous, surtout les petits inventeurs. L'émotion du langage parlé à travers l'écrit. Réfléchissez un petit peu, monsieur le professeur Y. Faites marcher un peu votre planète. Oui, entendu. Mais les délits. Regardez un peu les délits qui gagnent 100 millions par an sans publicité ni critique. Est-ce qu'ils recherchent l'émotion à travers le langage parlé, eux? Ben, l'hiverne. Oui, mais il y a un secret, Deli. Vous savez pas lequel? Non. Ils sont plus chromos que tous les autres. Chromos? Pour ça qu'ils se vendent mieux que tous les autres. Les prix Goncourt à côté d'eux n'existent pas. Qu'est-ce qu'ils gagnent dans le monde entier, monsieur le professeur Y? Qu'à la faveur absolue des masses et de l'élite, je vous le demande, aussi bien en URSS qu'à Columbus, au Yo-Yo, qu'à Vancouver du Canada, qu'à Fès du Maroc, qu'à Trébizonde, qu'à Mexico. Le chromo. Professeur Y, le chromo, rideau de fer, pas faire, foutre des régimes, Saint-Sulpice partout. Kiff belles lettres, la musique, la peinture, les bonnes manières, chromo. Les délits chromo sont les auteurs les plus traduits de toute la langue française. Bien plus traduits que les Balzac, Hugo, Maupassant, Anatole, etc., Peggy, Psychary, qui étaient pourtant eux aussi, il faut l'avouer, Romain Roland, vachement chromo. Mais qui n'existe pas, question, la fadeur, l'insipidité, la morale à côté des Sister Brothers d'Eli. Ah, pas du tout. Bon, mais alors, ceux qui sont fades, mais qui tirent tout de même pas tant que ça, enfin, pas tant que les Deli, qu'est-ce que vous en faites? Et qu'emporte tout de même le Goncourt que vous avez, vous, piteusement loupé, vous, génial, et les autres Grands Prix? Hein, qu'est-ce que vous en dites? Qu'ils sont contents de crottes de bique? Non, je les estime, et parfaitement, mais comme chromo. Ils retardent de 80 ans. Ils écrivent tous comme on peignait au grand salon de la médaille d'or, vers 1862. Académique ou à côté, même anti-académique, aucune importance, il faut de tout. Mais chromo. Chromo anarchiste, chromo pompiériste, chromo sacrististe, chromo. Vous êtes tellement abruti, professeur Y, qu'il faut tout vous expliquer. Je vais vous mettre les points sur les i. Écoutez bien ce que je vous annonce. Les écrivains d'aujourd'hui ne savent pas encore que le cinéma existe. Et que le cinéma a rendu leur façon d'écrire ridicule et inutile. Péroreuse et vaine. Comment? Parce que leur roman, tout leur roman, gagnerait beaucoup, gagnerait tout à être repris par un cinéaste. Leurs romans ne sont plus que des scénarios, plus ou moins commerciaux en mal de cinéaste. Le cinéma a pour lui tout ce qui manque à leur roman. Le mouvement, les paysages, le pittoresque, les belles poupées, à poil, sans poil, les Tarzans, les Éphèbes, les lions, les jeux du cirque à s'y méprendre. Les jeux de boudoir à son damner, la psychologie, des crimes à la veux-tu voilà, des orgies de voyage comme si on y était. Tout ce que ce pauvre peigne-cul d'écrivain peut qu'indiquer, à un nez plein ses pensums, qui se fait haïr ses clients. Il est pas de taille tout chromo qu'il s'acharne, qu'il se rende. Il est surclassé mille fois. Que reste-t-il aux romanciers alors, selon vous? Toute la masse des débiles mentaux.
la masse amorphe, celle qui lit même pas le journal, qui va à peine au cinéma. Ah, celle-là peut lire le roman Crobo. Comment, surtout, tenez, au cabinet. Cabinet. Ben là, elle a un moment pensif, qu'elle est bien forcée d'occuper. Et ça fait combien de lecteurs, cette masse? Oh, 70-80% d'une population normale. Oh, dites donc, une sacrée clientèle. Ah oui, mais dites, professeur Y, attention. Elle est morphinée de la radio, cette clientèle. Saturée de radio. Ahurie, en plus de débile. Allez voir un peu lui parler de rendu émotif, vous serez reçu. Le rendu émotif est lyrique. Rien de moins lyrique et émotif que le lecteur au cabinet. L'auteur lyrique, et j'en suis un, se fout toute la masse à dos en plus de l'élite. L'élite n'a pas le temps d'être lyrique. Elle roule, elle bouffe, elle grossit du pot, elle pète, elle rote et elle repart. Elle lit aussi qu'au cabinet, l'élite. Elle comprend aussi que le chromo. En somme, le roman lyrique paye pas, voilà l'évidence. Le lyrisme tue l'écrivain, par les nerfs, par les artères et par l'hostilité de tout le monde. L'émotion ne peut être captée et transcrite qu'à travers le langage parlé, le souvenir du langage parlé. Y compris de peine, de patience infinie, de toute petite retranscription à la bonne vôtre. Le cinéma n'y arrive pas, c'est la revanche. En dépit de tous les battages, des milliards de publicités, des milliers de plus en plus gros plans, des cils qui ont des 1 mètre de long, de soupirs, sourires, sanglots qu'on ne peut pas rêver davantage, le cinéma reste tout au toc, mécanique, tout froid. Il a que de l'émotion en toc. Il capte pas les ondes émotives. Il est infirme de l'émotion, monstre infirme. Et vous êtes l'inventeur d'un style, vous le prétendez, vous le maintenez. Oui, monsieur le professeur Y. D'une toute petite invention, pratique, comme le bouton de colle à bascule. Le bouton de colle à bascule. Comme le pignon double pour vélo. Oh, vous vous minimisez d'un coup. Oh non, rien de plus, rien de moins, il n'y a jamais de grandes inventions d'abord et d'une. Jamais que des petites, professeur Y. La nature ne donne, croyez-moi, que très rarissimement la faculté inventive à un homme. Et encore alors, elle se montre foutrement chiche. Tous ceux qui s'en vont bel an, qu'ils se sentent tout bourrés d'inventions, sont autant de sacrediers farceurs, aliénés ou pas. Vous remarquez qu'en fait d'invention, pour parler que d'un géant, l'espèce, Lavoisier, a simplement mis des chiffres sur quantité de corps naturels qu'on connaissait bien avant lui. Pasteur, pour son compte, n'a fait que donner des noms à tout ce qu'il voyait de plus petit sous sa lunette, la belle histoire. Mais dans le monde des arts, rien ne se passe strictement. La preuve, votre trouvaille émotive, trouvaille que vous dites. Oh, monsieur le professeur Y, les exposants et les médailles d'or du grand salon de 1862 n'étaient pas non plus convaincus des mérites des impressionnistes. Et le public, alors, d'un sceptique, le public a jamais pensé pour son compte qu'à les pendre, les impressionnistes. Et si l'empereur Napoléon n'était pas intervenu, il s'y passait. Vous avez l'air, monsieur Céline, d'en connaître un fameux bout. Alors, technique pour technique, expliquez-moi un petit peu pourquoi les impressionnistes se sont révélés tout d'un coup. Pourquoi ils ont cessé de peindre tout d'un coup en jour d'atelier? Parce qu'ils avaient vu des photos. Qu'on venait de découvrir la photo. Les impressionnistes ont très justement réagi devant la photo. Ils n'ont pas cherché à concurrencer la photo, pas si stupide. Ils se sont cherchés un petit condé, ils ont inventé un petit truc que la photo pourrait pas leur secouer. Pas tant le plein air, comme on prétend, pas si con, mais le rendu du plein air. Là, vraiment, il ne risquait plus rien. La photo n'est pas émotive. Jamais. Elle est figée, elle est frigide, comme le cinéma. Avec le temps, elle tourne grotesque, comme le cinéma, forcément plus grotesque. Elle peut que ça. N'empêche, n'est-ce pas, que votre Van Gogh n'a jamais pu vendre une seule toile? Oui. Mais regardez à présent s'il est estimé, Van Gogh. Plus que les lingots. S'ils font des feux aux enchères, les tableaux qu'ils ne pouvaient pas vendre. Oui, mais il est mort, votre Van Gogh, dans des conditions bien honteuses. Mais les galeries se sont régalées. Et les amateurs, alors, culbutent en cascade. C'est mieux que du Suez, du Van Gogh. Vous ne trouverez pas de meilleur placement. Que lui soit mort folie, c'est publicitaire. Et alors, il n'y a guère que deux espèces d'hommes, où que ce soit, dans quoi que ce soit. Les travailleurs et les macros. C'est tout l'un, tout l'autre. Et les inventeurs sont les pires espèces de boulots damnés. L'écrivain qui se met pas brochet, tranquillement plagiaire, qui cromote pas, est un homme perdu. Il a la haine du monde entier. On n'attend de lui qu'une seule chose, qu'il crève, pour lui secouer tous ses trucs. Le plagiaire, le frauduleux, au contraire, rassure le monde. Il n'est jamais si fier que ça, le plagiaire. Il dépend entièrement du monde. On peut lui rappeler pour un oui, pour un non, qu'il n'est jamais qu'un jean-foutre. Vous saisissez? Je peux pas vous dire, moi, en personne, combien de fois on m'a copié, transcrit, carambouillé. Alors c'est un vilain monde, selon vous? C'est-à-dire qu'il est sadique, réactionnaire,
en plus de tricheur et gogo. Il va au faux, naturellement. Il aime que le faux. Les étiquettes, les parties, les latitudes, il change rien. Il lui faut son faux, son chromo, en tout, partout. S'il s'occupe de Van Gogh maintenant, c'est pour la valeur qu'il a pris, et parce que le dur baisse. Les écrivains, n'est-ce pas, leurs livres prennent pas de valeur en vieillissant. Les écrivains, je vous le racontais, ont pas réagi devant le cinéma. Ils ont fait mine de gens convenables, qu'ils ne devaient pas s'apercevoir, comme si, n'est-ce pas, dans un salon, une jeune fille avait louffé. Ils ont enchaîné de plus belle, ils ont tartiné de beaux styles, de périodes, de phrases bien filées, selon la même vieille recette qu'ils tenaient des jésuites, amalgamés d'Anatole France, de Voltaire, de René, de Bourget. Ils y ont seulement ajouté un peu beaucoup de pédérastie, des kilos de ficelles policières pour se rendre gidien comme il faut, freudien comme il faut, mais toujours en chromo tout ça, n'est-ce pas? Que des innovations conformistes. Vous rabâchez, monsieur Céline. Oh, pas assez, jamais assez, la preuve, vous avez rien compris. Faut que vous appreniez tout par cœur, faites pas le malin, vous êtes obtus. Vous avez pas du tout compris l'essentiel de ce que je vous ai dit. Répétez un peu avec moi. L'émotion ne se retrouvait avec énormément de peine que dans le parler. L'émotion ne se laisse capter que dans le parler et reproduire à travers les cris, qu'au prix de peine, de mille patiences qu'un con comme vous soupçonne même pas. C'est net, hein? C'est net? Je vous expliquerai le truc plus tard. Déjà maintenant, retenez au moins que l'émotion est chichiteuse, fuyeuse, qu'elle est d'essence évanescente. Il n'est que se mesurer avec pour demander très vite pardon. Oui, pardon. La rattrape pas qui veut la garce, que non. Des années de tapin acharné, bien austère, bien monacal, pour rattraper et de la veine, un petit bout d'émotion vibré grand comme ça. C'est un peu précieux l'émotion, monsieur le professeur Y. Je vous le répète, plus précieux autrement que le cœur. D'ailleurs, pas du tout le même travail. Le cœur, ça se met en période, la belle âme, comme les règles. C'est du cul, la belle âme, n'est-ce pas, affaire de cul. L'émotion vient du trognon de l'être, pas tant des burnes ni des ovaires. Le travail sur l'émotion vous met l'artisan à l'épreuve, qu'il lui reste plus beaucoup à vivre. S'il s'engourre les goncourtiens et tous les chromistes, petits et gros, s'ils se gardent tous de l'émotion comme de chier au lit, quand la façon émotive sera devenue publique, c'est fatal. Que l'académie sera pleine de grisby, ça sera la fin de l'émotion. Tous les travailleurs du chromo vous feront des portraits émotifs. Dans 100 ans, ils auront tous réfléchi. Pour moi, c'est tout réfléchi. Je suis étiqueté attentateur, violeur de la langue française, voyou, même pas pédéraste, depuis 1932. Vous, en tout cas, du moins, je trouve, vous êtes une vanité de pan. Allez-y, montrez-vous insolent. Eh bien, professeur Y, je vais vous fixer une fois pour toutes. Les opinions, les hommes comptent pas. Dissertation, bulle, putana. Seulement la chose en soi qui compte. L'objet, vous m'entendez? L'objet. Il est réussi, il l'est pas. Flûte, zut, du reste. Académisme, mondanité. Mais bigre bougre, vous êtes en pleine dialectique. Il n'y a pas de bigre et de bougre. Pas du tout, pas du tout, pas de dialectique. C'est dans le métro que ça m'est venu. Il n'y a pas de dialectique dans le métro. Vous moquez de moi? Je ne me moque pas de vous, professeur Y. Mais pour la question d'interview, puisqu'il faut vous parler franchement, j'attendais autre chose de votre part. Qu'est-ce qu'il vous faut? Entretenons-nous de quelque chose d'actuel, qui nous intéresse tous les deux. Parlez-moi de monsieur Gallimard. Parlons d'autre chose. Revenons à notre sujet, le style. Nous étions hostiles, professeur Y. Je vous faisais comprendre, j'essayais de vous faire comprendre que l'inventeur d'un style nouveau est que l'inventeur d'une technique, d'une petite technique. La petite technique fait-elle ses preuves? Elle ne les fait pas, c'est tout. Tout est là. C'est net. Mon truc à moi, c'est l'émotif. Le style rendu émotif. Vaut-il? Fonctionne-t-il? Je dis oui. Sans écrivain non copié, le copie, le trafic, des marques, maquis, goupille. Tant et si bien qu'à force, mon truc passera bientôt au chromo. Oui, monsieur le professeur Y, vous verrez comme si j'y étais. Chromo, je vous donne pas 30, 40 ans avant que l'académie s'y mette, sans baffre. 1, 2, 3, 4 coups de dictionnaire et qu'elle reçoive plus qu'en émotif. Et que des émotifs. Sic transit, le sort de toutes les inventions, les petites ou les grandes. Pillage, contrefaçon, grugerie, singerie, hargne pendant 50 ans, et puis hop, tout bascule au domaine public, la farce est jouée. L'inventeur, lui, canet de puits belle, est-ce qu'il a même existé? On se demande, on en doute. Fut-il ce gros blond joufflu de certaines photos, ou ce petit maigre boiteux qu'on a prétendu? Certains croient savoir qu'il était fouetteur de dames, tortureur de chats, le gros blond joufflu des photos.
Mais que le petit maigre boiteux, était-ce lui? Raffolait-lui des croutons de pain trempés en certains endroits? Qu'il était plutôt mormon de conviction? Tandis que le gros blond, était-ce lui? Passait ses dimanches à sauver des coccinelles et des libellules qui se noyaient, que c'était sa seule distraction? On dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre? Je vous le demande, la petite invention seule qui compte. Kiff qui font sport, remarquez. Le crawl, la brasse, tous les records tombent. Le crawl a gagné, la petite invention du crawl. Bon, bon, je vous écoute, mais c'est pas très intéressant. Ah, vous trouvez? Ah, vous trouvez? Mais rien n'est très intéressant, monsieur le professeur Y. Notez ceci, prenez quelques notes. Quelles notes? Allez-y, que sans les guerres, l'alcool, l'artérielle tension et le cancer, les hommes de notre athée Europe périraient d'ennui. Et ailleurs? Ou en Afrique, ils ont le paludisme, en Amérique, l'hystérie, en Asie, ils ont tous faim, en Russie, ils sont obsédés. L'ennui ne peut pas avoir de prise sur tous ces inquiets. Diable, diable. Et vous vous moquez? J'essaye de vous intéresser, je fais le clown. On est là pour une interview, non? Flûte, zut! Que pensez-vous d'Aristophane? Aristophane, c'était quelqu'un. Et qu'a-t-il inventé, selon vous? La foudre, les nuées, la rhétorique. Vous admettez que dans l'interview, je vous dépeigne nettement maniaque, obsédé par les petits trucs? Ben voyons donc. Mais allez-y, vous en boufferiez de mes petits trucs s'ils vous étaient publicités convenablement, massivement. Oui, je vous en ferais goinfrer de mes petits trucs. À mort, mes boutons de colle à bascule, de ma mort au rat, de mes triples pignons de vélo. Tout ça, de tout ça, si tout ça vous était présenté américainement, néon. Je voudrais voir. Ben c'est tout vu. Toutes les bourdes sont avalées, empiffrées, redemandées, du moment qu'elles sont bien poussées, effrontément, massivement. Voltaire l'a dit. Ah, Voltaire. Oui, Voltaire. Et nous sommes en plein dans l'esprit, l'esprit du culot atomique, nous y sommes. Comment? Toscanini efface Beethoven. Mieux, il est Beethoven. Il prête son génie à Beethoven. 20 cabotins recréent Molière, il le retranscripte. Mademoiselle Pustine joue Jeanne d'Arc? Non, elle est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a jamais existé, le rôle existait. Voilà, le rôle attendait Pustine, c'est tout. Vraiment? Oui, vraiment. Retenez, professeur, ce que je vous dis, et je le pense. Les carottes sont cuites. Baste, baste. Il n'y a pas de baste. Le faux triomphe. La publicité traque, truque, persécute tout ce qui n'est pas faux. Le goût de l'authentique est perdu. J'insiste, regardez autour de vous. Vous avez des quelques relations, des gens capables, qui ont la fortune, qui peuvent s'acheter femmes, tableaux, bibelots. Eh bien, vous les verrez toujours invinciblement, ces gens capables, se ruer sur le faux, comme le cochon pique à la truffe. Kiffe le prolo, remarquez. Lui, c'est l'imitation du faux. Il se paye l'imitation du faux. Le chromo retouché. Vous rabâchez. Bien, mettons, mettons. Mais vous en êtes à combien de lignes? Dites-moi, professeur Y, pour une interview, il faut au moins 100 pages. Hein? Un peu de verbe, professeur Y, je vous prie, émoustillez-vous. Professeur Y, vous êtes ramolli. Non, non. Si, si, un véritable clan-cul. Ah, vous m'insultez. Bien sûr, vous le méritez. Vous voulez pas voir ce qui se passe. Ou peut-être vous faites l'innocent, vous êtes complice. Bel et bien, parfaitement dans le coup peut-être. Qu'un cynique, hein? Un roué. Parlez toujours. Bon, je vous parlais de Van Gogh tout à l'heure. Mettons qu'il revienne, qu'il réapparaisse, qu'il se représente avec ses toiles. Mais il se ferait traiter exactement de la même façon qu'autrefois. Balancé en poisson pourri. Il n'aurait pas plus d'amateurs. Il ferait pas 100 sous à la salle. On y apprendrait à se foutre du monde, à se prendre pour Van Gogh. Il faudrait vite qu'il se suicide. Mozart, tenez, professeur Y, parlons plus de peinture, parlons de musique. Vous en êtes à combien de pages? Vous vous trouvez drôle? Non, pas tellement. Vous vous trouvez spirituel? Oh, pas du tout. Et vous trouvez très amusant, décidément, de m'appeler professeur? Ah non, 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 mais on m'avait dit. Mais c'est stupide, voyons, absolument faux, vraiment, voilà une plaisanterie. Je m'appelle colonel Reseda. Pas du tout, professeur Y. Enfin, c'est grotesque, grotesque. Ah, colonel, pourquoi? Il est ton destin. Clandestin? Oui, je me camoufle. Il le faut. Chut.
Et pour que je nous regarde, que tous ces gens autour de nous épient, nous écoutent. Chut. Je vais pas parler fort, colonel, je vais vous parler intimement, mais alors faites très attention. Je vais vous confier en pleine confiance des vérités très essentielles. Soit, je vous écoute. Je vais vous révéler quelque chose. Écoutez-moi bien, colonel. La vérité essentielle de ce monde actuel, c'est qu'il est paranoïaque. Paranoïaque? Oui, paranoïaque. Il a la folie présomptueuse. Oui, colonel, oui. Votre genre de folie, n'est-ce pas, vous? C'est la jalousie. Ah oui. Certainement, colonel. Quand je vois tous ces grands écrivains qui ont su faire leur nougat cossu, Dieu sait à travers quel déluge, et pas mouillé, hein, pas d'un poil, rusé et drille, les bras me tombent. Je me trouverais mal, de jalousie, là, c'est là. J'avoue, je vous l'avoue. Ces écrivains subtils, agiles, dont je suis jaloux, à plus savoir, c'est atroce, se font tirer un, deux films par mois. Et pour la question de l'interview, colonel, quelles interviews? Pardon, colonel. En couleur, sans couleur, à poil, sans poil, du micro-ci, du micro-là, chez eux, hors chez eux, chez Titine, en vacances, au séminaire, en piscine, au fond d'un ravin, au bordel, chez les papous, sans les papous, pour les papous, contre les papous, sous un papou, contre la montre, contre le Tour de France, avec le principal que leur cher moi jouisse, rejouisse, supplie, implore, se prodigue, se reprenne, jute, déjute, susurre, parle à Dieu, lui parle plus, boude, que le monde entier, allaite, pétitionne qu'on recueille leurs paroles. Ou alors, n'est-ce pas, vous pouvez parler d'interview, vous? Vous n'existez pas, colonel. Vous sabotez l'interview, voilà, c'est simple, vous sabotez. Parlons d'autre chose, un autre sujet. Vous savez un peu d'argot? Parlez-moi de l'argot. Ah oui, oui, oui. L'argot est un langage de haine qui vous assoit très bien le lecteur. L'anil, à votre merci, il reste tout con. Bon, c'est pas mal. Et attention, gaffe, j'ajoute les mois de l'argot s'épuisent vite. Deux, trois couplets, deux, trois bonnes vannes et votre lecteur se ressaisit. Un livre tout entier d'argot est plus ennuyeux qu'un rapport de la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que le lecteur est un vicieux. Il veut de l'argot toujours plus fort, où que vous lui trouveriez. Oui, où? Eh bien, colonel, retenez ça. Piment admirable que l'argot, mais un repas entier de piment vous fait qu'un méchant déjeuner. Votre lecteur vous envoie au diable. Il fout votre cuisine sans dessus-dessous, la gueule emportée. Il retourne au chromo, votre lecteur. Et comment? L'argot séduit, mais retient mal. Votre conclusion? L'argot a son rôle. Oui, certes. L'histoire de tous les piments, il n'y en a pas. Votre brouet est con, il y en a trop, encore plus con. Il faut un tact. Tout à l'heure, vous me parliez du jeu. Maintenant, vous me parlez de l'argot. Ah, ben dites donc, mais c'est vous, colonel. C'est vous qui avez changé le sujet. Vous qui avez commencé l'argot. Ah oui? Ah oui, c'est bien possible. Combien de pages on a? 100. Si nous parlions un peu d'amour. Ah, pas si fort, pas si fort, les gens nous écoutent. Mais qui, les gens? Il se passe rien de tragique, colonel. On se parle de n'importe quoi, briques et brocs. Vous n'êtes pas d'avis? C'est une interview sans façon, voilà, sans façon. Je vous propose de parler d'amour et de chansons d'amour. Vous voulez que je vous en chante une? Histoire de lyrisme populaire. J'ai gagné ma vie en chanson, moi. Vous? Je te trouverai charogne un vilain soir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ouais. Fidélité, caresse, éternité, tendresse. J'ai manié ça. Vous voulez en écouter une autre? Ah non, 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 je parle. Oh non, mais partez pas. Partez pas, restez, colonel, je chante plus. En voilà, dites qu'ils l'ont chouette. Qui? Mais les chansonniers de l'amour. Tout leur est permis, sapristi gâté du lyrisme, rastaquaire du truc, tout ce qu'ils veulent de je, de leur cher je. Pensez, ils ont l'espèce avec eux, toute l'espèce, troubadour de la reproduction. Printemps, 365 jours par an. Un chansonnier de l'amour vaut son poids de sperme. Vous voulez étonner le lecteur? Oh, pas du tout, je suis pas très modeste, colonel, mais là, je l'avoue, j'invente rien. La bête à deux têtes est grotesque. Pas d'hier, pas d'hier, depuis que le monde est monde. La bête à deux têtes est cochonne, qu'elle dit, qu'elle prétend. Mais pas du tout, en vérité, elle est à rire, voilà ce qu'elle est. Elle a pas la force du cochon. De loin, de très loin. L'homme est qu'un pauvre va de la gueule aux exploits de l'amour. Sous-sous-mouche même. Oui, colonel, sous-sous-mouche. Sa petite épilepsie de l'espèce pour l'espèce. Que de préparation, que de petits cadeaux. Succion, serment, chichi. Et après,
8 jours sur le flanc. Le plus fragile système du règne, du système nerveux du règne animal. La vérité, la mouche à côté, qui tire ses 100 coups la minute. Une titane, la mouche, colonel, une véritable titane. Vous croyez? Je pense, toute la détresse de donjon n'aide pas à être puissant comme une mouche. Vous donnez ça dans l'interview? Et pourquoi pas? Je pense. Ça vaut bien autre chose. Les gens aiment être instruits sans peine. Et vous, maintenant, posez des questions. Comment vous est venue l'idée de votre soi-disant nouveau style? Par le métro. Par le métro, colonel. Comment? Au moment où je prenais le métro, j'avais des hésitations. Ah. Au moment de le prendre, je vous l'ai dit. Vous m'avez pas écouté. Vous avez rien écouté. Comment le métro? Par le métro. Le nord-sud, à vrai dire. C'était le nord-sud en ce temps-là. Vous permettez, je vais faire pipi. Ça va pas? Je suis un peu inquiet en ce moment. Ah? Et je suis un petit peu prostatique. Je pourrais vous faire un toucher, mais pas ici. Oui, oui. Mais dites donc, votre affaire, votre truc émotif, puisque c'est de l'émotion parlée, si je comprends bien. Ah, si je comprends bien. Pourquoi vous dictez pas vos livres au lieu de les écrire? Directement, tout simplement. Il y a des dictaphones merveilleux, dites, vous savez pas? Des micro-sillons fantastiques. Des dictaphones merveilleux. Eh bien, je vais tout vous dire. Tous vos systèmes, dictaphones, jabotophones, micro-sillons, valent pas tripette. Toute cette mécanique tue la vie. M'entendez-vous? Anti-vie. Amusette pour morgue. Vous me comprenez, colonel? La machine à écrire, et tout. Kiffe le cinéma, kiffe vos télévis. Autant de branlettes mécaniques. Non, je veux pas vous vexer, colonel. Partez pas, vous sauvez pas. Je vous donne mon avis. Et votre invention, vous, alors? Mais moi, c'est autre chose! Moi, je suis autrement plus brutal. Moi, je capture toute l'émotion dans la surface, d'un seul coup. Je décide, je la fourre dans le métro, mon métro. Tous les autres écrivains sont morts, et ils s'en doutent pas. Ils pourrissent à la surface, embandés dans leurs chromos, momies, tous privés d'émotion, leur compte est bon. Mais vous écrivez plus, colonel, vous prenez plus de notes, vous vous en foutez. Non. Et votre manuscrit? Vous ne me parlez pas de votre manuscrit, vous? Pas encore publié. C'est qu'un détail, ils en publient 500 par an. Il va l'être, croyez, colonel, il va l'être si je m'en occupe. Est-il chromo, votre manuscrit? Dites-le, dites-moi tout. Un peu, un petit peu. Est-il un peu tendancieux? Comment? Un petit peu ci, un petit peu ça, un petit peu tout de même engagé, mais pas tellement. Un petit peu curé, peut-être, sur le bord. Pas trop, pas trop. Un petit peu gidien. Ah oui. Sans excès? Ah non, non. Ou tout à fait? Ah, avec des nuances, beaucoup de nuances. Bon, est-ce qu'on peut dormir en le lisant? Oh oui. Vous êtes certain? Ma femme le lit tous les soirs. Et elle s'endort? Oui. Bien. Je vais le recommander à Gaston. Il lit tout lui-même, monsieur Gallimard? Plutôt son comité de lecture. Il lit en dormant? Oui. Ils ont lu le voyage, comme ça. Ils lui ont donné une bonne note? Oh, pas mauvaise, mais en retard. C'est un autre qui l'a publié. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils ronflaient. C'est étrange. Ah non, c'est pas étrange. Il y a que les crèves la faim qui sont réveillés. Les autres dorment. Tous les gens sûrs du lendemain dorment. On les voit partout, en auto, au bureau, à la campagne, en ville, dans le monde, en croisière. Ils se font balader beaucoup, blablater beaucoup. Ils ont l'air de faire quelque chose, ils font rien. Ils dorment. Il peut faire beaucoup pour moi, monsieur Gallimard. Tout ce qu'il veut, pardine. Il peut faire, vous, en 6 mois, le plus grand écrivain du siècle. Comme vous? Bien plus grand que moi. Comment? C'est son affaire. Ce qui m'interloque, vous me permettez? Vous permettez? Eh oui, mais oui, permettez-vous. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous, le plus grand écrivain du siècle, l'inventeur du style que vous dites, le bouleverseur des lettres françaises, le Malherbe actuel, en somme, enfin Céline Vin, c'est bien ça? Oui, oui, c'est exact. Pourquoi, monsieur Gallimard, ne fait-il jamais parler de vos livres? Il a son idée. Son idée tactique. Il en fera parler quand je serai mort. Il vous survivra. J'ai l'impression. Il ne se fatigue pas. Mais pour le présent, tant que vous vivez, qu'est-ce qu'il fait de vos livres? Il les enfonce dans sa cave. Il les cache bien avec des milliers et milliers d'autres. Il stocke. Il stocke les manuscrits aussi? Parbleu, bien sûr, bien sûr. Mon manuscrit? Certainement.
Non, vous dandinez pas de cette façon, colonel, vous me saoulez. Je vous saoule? Allez pisser, je vous attends. Nous en avons peut-être fini. Ah non, colonel, ah non. Justement, voilà le moment le plus pathétique. Ah. Le moment de mon trait de génie. Ah. Ah, il n'y a pas de A. Allez pisser, revenez, ouste. Non, je préfère, je pisserai après, si la pulsatière était prise. Vous vous ergotez, colonel. Bon, vous voulez pisser plein votre froc? À votre aise. Je vous termine mon histoire. Oui, vite, vite, vite. Voilà, Blaise Pascal. Vous vous souvenez de Blaise Pascal? Oui, oui. La révélation qu'il a eue sur Pont de Neuilly, ses chevaux emballés, son carrosse versé, une roue emportée, qu'il a bien failli boire la goutte. Ah oui, ah oui. Vous vous souvenez? Oui, Blaise Pascal, celui des pensées. Exactement, colonel, exactement. Celui qui voyait plus qu'un gouffre, toujours un gouffre. Depuis ce jour-là, du coup de la frayeur, le gouffre à sa droite. Oui, à sa droite. On va aller pisser, colonel. Ah, non. Bon, comme vous voulez, le gouffre à sa droite. À sa droite. Et puis en l'air, colonel, en l'air, après. Les espaces infinis, mais frais. De Pascal aussi, colonel, une sacrée pensée de Pascal. Vous vous souvenez? Oui, oui, oui. Ça y avait transformé la vie, ce terrible accident du pont. Font en comble, libérer le génie, son génie. Ah. Oui, colonel. Moi, regardez-moi, colonel. Je suis un type d'engin de Pascal. Pas possible. Si, si, je vous le dis, nom de Dieu, regardez-moi. Colonel, vous m'écoutez? Je vous disais qu'en ce temps-là... Non, je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis. Je menais une vie agitée, j'avoue assez agitée. Je fonçais d'un bout à l'autre de Paris. Pour un oui, un non, à pied, en voiture, en métro. Oui, je consultais, ici et là. En particulier, je devais me rendre à ici, presque chaque matin pour une consultation d'usine. Et je demeurais à Montmartre. Vous vous rendez compte? Chaque matin, Pigalle, ici. L'autobus, une fois, deux fois, ça va, mais tous les jours, ça fait réfléchir. Tous les jours, je vous assure. La meilleure façon, métro, vélo, autobus. Je prenais le métro, j'y allais à vélo, ou à griffe. Voilà, j'ai hésité, tergiversé, re-renoncé. Le noir métro, ce gouffre qui pue, sale et pratique. Le grand avaloir des fatigués, où je restais dehors. L'autobus... Cet angoissé monstre grelottant, octant, qui perd des heures à être poli, à pas écraser la rombière, à attendre que sous son pare-choc se dépêtre le triporteur venu s'y foutre, où je fonçais à pied, ici à pied, c'était le dilemme, les profondeurs ou la surface. Oh, choix infini. La surface est pleine d'intérêt, tous les trucs pensés. Pensés, la concentration des boutiques, les bariolages, les étalages, les convoitises. Mais attention, anicroche, perte de temps, carambolage, cafouillade, méli-mélo, flic, vélo, croisement, déviation, stagnation. Le Pascal, dans une deux chevaux, je voudrais voir un peu du printemps à la rue Tête-Boue. C'est pas un gouffre qu'il aurait peur. 20 abîmes, la surface est plus fréquentable, la vérité, voilà. Alors, j'hésite pas, moi, c'est mon génie, le coup de mon génie, pas 36 façons, j'embarque tout mon monde dans le métro. Pardon, et je fonce avec, j'embarque tout le monde, degré ou de force, avec moi, le métro émotif, le mien, sans les encombrements, dans un rêve, jamais le moindre arrêt nulle part, non, au but direct, dans l'émotion, par l'émotion, rien que le but, en pleine émotion, bout en bout. Comment? Grâce à mes rails profilés, mon style profilé. Oui. Express profilé spécial, je les lui faut ces rails au métro. Moi, j'avoue, ces rails rigides, je leur en fous un coup. Ces phrases bien filées, je les lui faut d'une certaine façon que les voyageurs sont dans le rêve, qu'ils s'aperçoivent pas. Le charme, la magie, colonel, la violence aussi, j'avoue. Tous les voyageurs enfournés, bouclés double tour, tous dans ma rame émotive. Vous voyez ça? Et toute la surface avec moi, hein? Toute la surface, embarquée, amalgamée dans mon métro, tous les ingrédients de la surface. Je lui laisse rien à la surface, je lui rafle tout. Ah, ah. Ah non, colonel, tout dans mon métro émotif. Les maisons, les bons hommes, les briques, les rombières, les petits pâtissiers, les vélos, les automobiles, les midinettes, les flics avec, entassés, pilés, émotifs, dans mon métro émotif, tout dans mon transport magique. Ah. Et vous êtes le magicien, oui, non? Alors que votre charme opère. Certains lecteurs récalcitrent la trique, colonel. Qui préfère le chromo, la trique. Vous êtes le maître des sortilèges. Vous tolérez pas d'esprit fort, de dialecticien par exemple. Plus un carrefour, plus un feu jaune, plus un flic, plus une paire de fesses à la traîne. Vous me comprenez, colonel? Oui. Plus un camion qui vous harponne. L'artiste que vous êtes, votre métro s'arrête à rien. Vous vous êtes profilé un style. Un style? Oui, colonel. Le style au plus sensible des nerfs. C'est de l'attentat? Oui, je l'avoue.
Par exemple, vous emmenez tout? Oui, colonel, tout. Je laisse rien à la surface. Je lui laisse rien, j'emmène tout. Les ponts avec? Les ponts avec. Rien vous empêche? Non, colonel, à l'émotion, colonel. Rien qu'à l'émotion. L'haletante émotion. Oui, mais... Y a pas de oui, mais j'embarque tout. J'enfourne tout dans ma rame. Je vous répète toutes les émotions dans ma rame. Avec moi, mon métro émotif prend tout. Mes livres prennent tout. Ah, par exemple, et les étrangers? Les écrivains étrangers? Ils n'existent pas. Ils sont encore à déchiffrer Madame Bovary, la scène du fiacre et Boule de Suif. Ils vont peut-être vite en avion et dans les arcs, qu'est-ce qu'ils craignent mal? Pourtant, on parle d'eux, on les traduit. Mais c'est la formidable escroquerie qu'on supprime leurs agences de presse, leurs fantastiques publicités, leur phénoménal clos. Ils n'existeront plus. Mais leurs lecteurs? Mais les lecteurs français sont snobs. Gogo et Cyril, ils sont bluffés. Ils trouvent des écrivains d'ailleurs qui écrivent tous comme les délits. Les voilà heureux et fiers. Les langues étrangères, tout de même. Il n'y a qu'une seule langue, colonel, en ce monde paracafouilleux. Une seule langue valable, respectable. La langue impériale de ce monde, la nôtre. Charabia, les autres, vous m'entendez? Dialecte bien trop tard venu, mal sapé, mal léché, arlequinade, zozotri pour clown. Voilà, colonel. Je sais ce que je cause et j'admets pas la discussion. Vous êtes un esprit borné. Pas borné, impérialiste, colonel. Comment j'ai conquis la surface, vous avez vu? J'ai tout saisi, vous avez vu? Tout embarqué dans mon métro. Qu'est-ce que je lui laisse à la surface? Les traductions. Retraductions de nos pires navets. Qu'ils les emploient pour leurs parents. En plus de la psychologie. Le pataquès psychologique. Toute la chierie philosophique. Toute l'horreur photographique. Toute la morgue des fesses figées. Allez pisser, Reseda. Non, non et non. Bon. Si je vous raconte tout, vous irez au petit endroit? Oui, 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 je vous promets. L'oreille émotive, l'oreille nerveuse, ça fait une popette. Toute berzingue, direct, colonel. Oui, direct, la propulsion émotive, ultra précision émotive. Ah, ben vous êtes d'avis, colonel. Ah oui, oui, tout berzingue, direct. Ben allez, pissez, pissez dans votre flaque, colonel. Vous dégoulinez, colonel. Vous m'avez compris, colonel? Oh oui, oh oui. Oui, mais attention, vous n'êtes pas sur rail ordinaire. Votre récit n'est pas ordinaire. Oh non, oh non. Pour un rien du tout, vous crevez tout. Ballast, voûte, un souffle, une cédille et votre récit verse. Déraille, vous et vos 600 000 lecteurs. Alors, alors? Alors, colonel, c'est là qu'est le génie. Génie encore? Mais le génie de quoi? Les trois points. Nous les a-t-on assez reprochés? Comment on a bavé de mes trois points? Ah, ces trois points, ah, ces trois points. Il sait pas finir ses phrases. Toutes les cuteries imaginables, toutes, colonel. Alors? Et votre avis, vous, colonel? Bah, la place de... Trois points, vous pourriez tout de même mettre des mots, voilà mon avis. Cuterie, colonel. Cuterie encore. Pas dans un récit émotif. Vous reprochez pas à Van Gogh que ses églises soient biscornues. À Vlamin que ses chaumières foutues. À Bosch, ses trucs sans queue ni tête. À Debussy de se foutre des mesures. On est guère de même. C'est révoltant. Non, non, mais enfin, tout de même... Aux trois points. Aux... Mais mes trois points sont indispensables. Indispensables, bordel de Dieu. Je le répète, indispensables à mon métro. Et pourquoi? Pour poser mes rails émotifs. Simple comme bonjour, sur le ballast. Vous comprenez, ils tiennent pas tout seuls mes rails. Il me faut des traverses. Quelle subtilité. Mon métro bourré, si bourré, absolument archi-comble, à craquer, fonce. Il est sur la voie, en avant. Il est en plein système nerveux. Il fonce en plein système nerveux. Vous me saisissez, colonel? Un petit peu, un petit peu. Mon métro que je vous raconte n'est pas une guimbarde imbécile qui caote, berloque, titube, s'accroche à tous les carrefours. Non, mon métro s'arrête nulle part. Je vous l'ai dit, je vous le répète, colonel. Oui, 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 c'est extraordinaire. Et au but d'un trait, colonel, mais attention, sur rail profilé, traverse, récit impondérable. Vraiment, vraiment? Et je vous l'affirme, colonel, plus jamais d'ergoterie devant moi, hein? Plus d'embarras. Le truc du métro tournait rail magique à travers trois points est plus important que l'atome. L'atome comment? Comme nouveauté qu'on parlera. Mais alors, alors? Alors, colonel, le cinéma est foutu, édain, dépassé, décati, rousti. Ah bah... Y a pas d'abat, je tolère pas vos abats, colonel. Je vous livre la vérité toute pure. Pardi, pardine. Alors nous sommes d'accord, colonel, par le Capricorne, colonel. Seriez-vous par hasard poète? Musicien, peut-être? Oui. Là, ça tombe bien, nous nous comprenons de mieux en mieux. Imaginez-vous la musique sans point de suspension, colonel? Ah, que non, que non. Et sans soupir? Ah, non, certes, non, certes. Mais vous êtes encore de mon avis? Ah, bah, foustra, foustré, tonnerre, bing, bouc! Allons, colonel, allons, écoutez-moi. Ça perd les papettes, ça perd les papettes. Bing, bouc, foustra, c'est... Colonel, écoutez-moi.
vous laissez distraire par personne. Retenez qu'une chose. Les rails émotifs, impondérables. Le style émotif, trois points. La trouvaille du siècle, ma trouvaille. Pigalle, ici, direct, tout nerf. Le cinéma n'existe plus. Colonel, ça va déjà mieux, mais c'est pas tout. Il a retrouvé le langage parlé à travers les cris. Qui? Mais moi, bon Dieu, moi, pardi gourde, pas un autre. Tout nerf. Écoutez-moi bien, colonel, le plus ardu à présent, j'en termine. Le plus subtil, tâchez de me comprendre, faites l'effort. Oui. Je vous prends un lecteur. Parfaitement. Le lecteur d'un livre émotif, une de mes œuvres, en style émotif. Alors? Il est incommodé un peu. Qui? Le lecteur qui me lit. Il lui semble, il en jurerait, que quelqu'un lui lit dans la tête. Dans sa propre tête. Oh, pique! Parfaitement dans sa propre... Pas de bugre, de bougre! Sans lui demander la permission, c'est de l'impressionnisme, colonel. Tout le truc de l'impressionnisme, le secret de l'impressionnisme. Je vous ai parlé de l'impressionnisme. Oh oui. Écoutez-moi. Vous plongez un bâton dans l'eau. Un bâton dans l'eau? Oui, colonel. De quoi il a l'air, votre bâton? Je ne sais pas. Il a l'air cassé, votre bâton, tordu. Alors? Cassez-le vous-même, pardi, avant de le plonger dans l'eau. C'est une bonne blague. Tout le secret de l'impressionnisme. Alors? Et ainsi, vous corrigerez l'effet. L'effet quoi? De la réfraction. Il aura l'air droit, votre bâton. Vous le casserez d'abord, colonel, avant de le plonger dans l'eau. Je le casserai. Vous lui flanquerez une rude entorse. Ah, dites donc. Ainsi, de mon style émotif et de mes rails si ouvragés, profilés, spéciales. Vraiment? Exactement, colonel. Vous êtes en progrès. Vous n'êtes pas loin de me comprendre. Des voix et des images, les années 50, lecture publique enregistrée le 8 octobre 1988 au Centre Georges Pompidou. Aujourd'hui, entretien avec le professeur Y de Louis-Ferdinand Céline, lu par François Berléand et André Marcon. Mise en scène par Franck Levita, réalisation d'André Mathieu.